La tronche en live. L'émission de l'esprit critique en direct et en public avec Vlad Tapas et Assermant d'Axe. Bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas mes lunettes et je vais néanmoins lire un éditorial de qualité supérieure. Ne faites pas ça chez vous. La question des origines obsède sans doute un peu trop notre espèce. On ne peut pas s'empêcher de chercher ce qui nous relie au passé, le plus lointain possible, au plus proche de l'origine de tout. Le mythe de l'âge d'or jouit d'un joli succès grâce à ce besoin étrange que nous avons souvent de trouver notre propre valeur en dehors de nous-mêmes, et même d'être plus simplement qui nous sommes. Alors, on s'imagine descendre de guerriers intrépides et de sages en harmonie avec la nature. Nous dotons nos ancêtres des qualités dont nous rêvons d'avoir hérité. Et on obtient une croyance parfaitement apte à être acceptée par nos semblables. C'est en toute logique que la réécriture de l'histoire lointaine est fréquente dans les milieux nationalistes qui ont besoin de s'inventer une filiation, une sorte de pureté de la lignée qui autorise à se distinguer du commun des mortels. C'est ainsi que certains Bosniaques veulent croire à l'existence de pyramides antédiluviennes sur leur territoire, ou que les Russes tiennent à revoir la chronologie pour faire de leur nation la véritable source des grands empires du passé. Certains nazis rêvaient, et rêvent peut-être encore, de la pureté perdue de Thulé et de leurs ancêtres hyperboréens. La mythologie n'est pas morte. Elle se réinvente sous nos yeux, dans l'inconscience d'elle-même, certaine de dire le vrai, comme toutes les mythologies ont pu le dire avant elle. Il lui faut pour cela disqualifier l'approche rationnelle de la science, ou bien la prétendre dévoyée. C'est pourquoi il y a chez les archéomanes, les amoureux d'hypothèses improbables au sujet des grands sites archéologiques, des relents de pensées conspirationnistes. On fait obstacle à la manifestation de la vérité qu'ils ont découvert, mais échouent à démontrer. Il faut bien que cela soit la faute de quelqu'un. Les pseudosciences de l'histoire et de l'archéologie ont des prétentions extraordinaires. L'analyse de projets cachés des bâtisseurs à l'aide de rapports mathématiques de niveau collège. La prédiction de cataclysmes en vertu de la prétendue nature cyclique du temps, ou encore la prédiction d'un retour de la civilisation extraterrestre à l'origine des constructions antiques dont on nie aux humains d'alors qu'ils puissent en être les véritables concepteurs. La relecture du passé a souvent pour but une réinvention de l'avenir dont on doit bien admettre qu'il est raisonnable de craindre parfois. Le faux absolu est le fils de la conscience malheureuse d'un présent sans épaisseur, écrivait Umberto Eco dans La guerre du faux. Il faut déployer beaucoup d'efforts et beaucoup de rigueur pour nous débarrasser de nos fantasmes et de nos présupposés, pour regarder les faits tels qu'ils sont, les dépouiller de la fiction qu'ils nous inspirent et nous contenter de la réalité. Parfois décevante, mais souvent fascinante, cette réalité dans laquelle nous nous inscrivons. Reconnaître les mérites de la décevante réalité nous permettra peut-être de donner assez d'épaisseur au présent pour résister aux tentatives des faussaires. Aux tentations des faussaires. C'est la faute des lunettes. Nous avons la chance de recevoir ce soir Jean-Pierre Adam, qui connaît très bien les discours parascientifiques, les hypothèses exotiques et les griefs des vitupérateurs de la science, pour s'être penché sur le cas depuis maintenant un certain nombre d'années. On ne donne pas de l'âge des gens, c'est mal poli. Bonjour Jean-Pierre Adam. Bonjour. Je rends grâce à votre connaissance, à votre parfaite lucidité dans l'analyse préambulatoire que vous avez faite de notre propos. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Je pense qu'on peut terminer là. On prolonge. Ah pardon. Non, je peux raconter quelques anecdotes. Je présente mes excuses au public qui a raté le début de l'éditorial. À cause de la technique, alors on les adore, mais du coup là on n'était pas bien prêts. Donc l'édito sera disponible. Non, tu n'auras pas la parole. Tu n'auras pas la parole. Tu n'as pas le micro. L'édito sera disponible. C'est pas grave, ça arrive. Sera disponible sur le site La Menace Terroriste. Vous pourrez le lire sur le texte. Voilà. Donc désolé pour ce. On pourra le réenregistrer en post-prod aussi. Et on pourra le réenregistrer en post-prod, mais on ne fera pas. On n'a pas le temps. Monsieur Jean-Pierre Adam. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est votre parcours? Quels sont vos diplômes? Votre indiscrétion pourrait me gêner, mais je vais tout de même y répondre parce que
J'ai moi-même été confronté au cours de réunions contradictoires, j'ai horreur de ça d'ailleurs, je trouve ça parfaitement stérile, à des personnages qui me vendaient de l'extraterrestre ou des races supérieures, qui, chaque fois, je dis bien chaque fois, ont refusé de se présenter. Jacques Grimaud, ce savant extraordinaire qui a révélé... Jacques Grimaud, oui, si, la révélation des pyramides. Ça ne me dit rien. C'est autre chose que les détections par la transition des muons dans la pyramide. A toujours refusé de se présenter. J'ai été convié à plusieurs émissions de radio et de télévision avec lui. J'ai demandé d'abord à voir son curriculum vitae, que lui-même se présente. La seule chose que j'ai obtenue de lui, il a dit « J'ai beaucoup pratiqué les sports de combat ». Je vous jure que c'est vrai. Et il a ajouté « J'ai étudié pendant 37 ans le mystère des pyramides. Je peux en parler. » C'est quand même des références scientifiques qui comptent. Ça pèse lourd. Alors, pour éviter de tomber dans ce travers, évidemment, c'est très gênant, on le comprend, j'ai fait ça méchamment. Il n'avait pas envie de raconter qu'il ne savait rien. Mon histoire commence, oh là là, à l'époque où il y avait encore des tramways à Nancy. Oui, je sais, aucun d'entre vous sait qu'il y a eu des tramways à Nancy avec l'intérieur lambris de bois, quelque chose d'extraordinaire. Je précise pour ceux qui ne sont pas à Nancy qu'il y a à nouveau des tramways à Nancy, mais ce n'est pas cela dont vous parlez. Ah, pas du tout, d'accord. Du tout. C'était des vrais tramways à l'époque. Je ne suis pas certain que les gens aient envie d'appeler ça des tramways, en fait. Avec un trolley, une roulette en haut, et de temps en temps, le trolley sortait du rail. Alors, le Wattman descendait avec une grande perche, il raccrochait le trolley sur le fil. Bref. Ce que j'adore, c'est quand on reste vraiment sur le sujet avec vous. Et absolument. Ça, je sens qu'on va passer un moment. Non, mais attention, le tramway appartient à un patrimoine lointain. J'entends bien. C'est une étape dans la technologie très importante, la relation entre les hommes. Oui, le tramway permettait aux Nancéens du Nord de contacter en quelques minutes les Nancéens du Sud. Vous avez réponse à ça tout. Ça vous semble indifférent ? Très bien, non, c'est important. Quand on va acheter ses macarons chez les sœurs Macaron, à deux pas de la place Stanislas, et qu'on habite à Joinville, ou à Jarville, ou à Maxéville, on est bien heureux d'avoir le tramway. J'en reviens au tramway, c'est très important. Chaque année à Noël, on m'infligeait de venir voir mes grands-parents paternels, des gens charmants mais très désuets, qui habitaient rue Jeanne d'Arc. Vous connaissez la rue Jeanne d'Arc ? Derrière, il y a Nancy Thermale, il y avait un vélodrome avec une piste. Ah ben oui, c'est il y a très très longtemps. Enfin, j'étais tout petit, c'est vrai. Et alors, il y avait un tramway qui passait rue Jeanne d'Arc. Et le matin, j'entendais le ding, je vais vous faire... Ding, 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 ding. C'est bien, hein ? C'est pas mal. C'est remarquable. Très bien. Alors, je me précipitais pour voir passer le tramway. Et je m'étais juré que quand je serais grand, je serais Wattman, parce que le conducteur s'appelait un Wattman. Encore un mot qui vous est complètement inconnu. J'ai grandi, j'ai fait des études laborieuses. Passe ton bac d'abord, on verra ensuite pour le tramway. Et puis, il se trouve que j'avais un autre grand-père qui, lui, était architecte. Il a fait une belle carrière au Canada. Il a construit la Chambre des députés de Mexico, l'hôpital de Québec. Il était aussi historien de l'architecture. Il avait une somptueuse bibliothèque. Et j'allais passer des après-midi entières à farfouiller dans sa grande bibliothèque. J'étais absolument passionné. Et je me suis dit aussi, finalement, le tramway a son intérêt. Entre-temps, le tramway de Nancy avait disparu. On allait quand même à Brabois avec un tramway, avec une baladeuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il traversait la forêt de Brabois. Il y a une fac là-bas. C'est lamentable, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un arbre. Après, le tramway était dans la baladeuse, c'était formidable. Et il y avait le château, oh là, il s'arrêtait devant le château, le tramway. Donc la bibliothèque. Ah pardon. Donc cette bibliothèque m'a fait changer d'avis, j'ai dit quand je serai grand, j'avais commencé à grandir d'ailleurs, je ferai comme mon grand-père, je vais m'intéresser à l'histoire de l'architecture. Mais est-ce que je dois être architecte d'abord ? Il m'a dit oui, évidemment, ça commence par là. Donc j'ai continué mes laborieuses études et puis je suis entré dans un cursus archéologique banal, pas stupide mais banal. Et je me suis aperçu, je suivais la fac et l'école du Louvre, et je me suis aperçu quand même au bout d'un an que cet enseignement de l'histoire de l'art et de l'archéologie était complètement épidermique, très riche, très important naturellement, mais complètement épidermique. C'est-à-dire qu'on voyait les châteaux de la Loire, mais on les voyait extérieurement. On voyait le Parthénon, on faisait le tour du Parthénon, mais à aucun moment nous précisait de quelle manière il avait été bâti. Qui l'avait bâti, ça encore on peut dire le nom, mais quelle était la chronologie de la construction d'un grand chantier comme celui de la construction d'un temple grec du 5e siècle.
Alors, je me suis dit, il manque quelque chose, moi. L'aspect épidermique, je vais voir le Parthénon, je le photographie, je le regarderai, j'en saurai autant, toute la prétention. Et j'ai abandonné les études d'archéologie et je suis entré dans une école d'architecture. J'ai fait mes études d'architecture, j'ai fait le diplôme, j'ai fait un diplôme à caractère archéologique, évidemment. Et j'ai exercé pendant un temps le métier d'architecte parce que j'estimais qu'avant de faire de l'archéologie monumentale, il fallait travailler sur un chantier, être concepteur, donc créer un édifice, hein, suivre la construction, concevoir des techniques qui assurent la stabilité du bâti, diriger des équipes d'ouvriers, parler avec des contremaîtres. Donc ça me semblait très important, ça me semblait le préalable au même travail fait sur un chantier d'archéologie monumentale. Et après ça, j'ai repris un cursus universitaire sur l'archéologie, j'ai fait une thèse d'archéologie monumentale, etc. Bon. Alors, muni de cette double formation, j'ai pu poser ma candidature et entrer au CNRS, d'une petite entreprise française, assez discrète d'ailleurs, trop discrète malheureusement, parce que les chercheurs, et ça va peut-être, on va peut-être développer ce propos, oui, comme les professeurs, instituteurs, profs du secondaire ou profs d'université, n'ont pas très souvent l'occasion de s'exprimer en public. Il y a un cénacle, c'est l'école, c'est le lycée, donc c'est les élèves de la classe ou des classes, c'est les élèves de l'amphi, et sortis de là, on passe à autre chose. Alors heureusement, depuis quand même quelques temps, de plus en plus de professeurs du secondaire et d'universitaire gagnent le monde de la diffusion des connaissances. Bon, n'entrons pas tout de suite dans ce domaine. Donc, muni de tous ces diplômes, enfin, tous ces diplômes, n'exagérons rien, c'est quelque chose d'assez banal quand même comme formation, je suis entré dans un laboratoire, puisque toutes les équipes au CNRS s'appellent des laboratoires, d'archéologie monumentale, où j'ai fait toute ma carrière pendant plus de 87 ans, et en travaillant uniquement sur le monde dit ce qu'on appelle l'archéologie classique, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, c'est-à-dire le monde grec, le monde romain, puis j'ai débordé un petit peu sur le monde byzantin, et puis sur l'égyptologie, qui suppose d'acquérir un autre bagage, mais j'avais quand même heureusement une formation en égyptologie, enfin en archéologie d'une manière générale, par le biais universitaire. Donc ça m'a permis effectivement de répondre à ce qu'on attendait d'un architecte sur un grand chantier d'archéologie monumentale. Parce qu'en plus, il fallait, j'avais compris, j'ai fait une formation en topographie, parce que le premier travail d'un architecte sur un chantier archéologique, c'est de couvrir le terrain. Et c'est un travail d'autant plus pénible que le terrain d'une fouille archéologique, il est mobile. Il y a le terrain le jour où on arrive, puis on va l'élargir, on va l'approfondir. Donc il change sa morphologie. Et chaque fois qu'apparaît quelque chose, il faut recommencer la couverture topographique pour localiser ce qu'on a trouvé. Et ensuite, cet objet va être dégagé, en révéler d'autres. Donc il y a un énorme travail qui précède l'étude archéologique proprement dite de l'objet bâti qu'on a découvert. Donc tout ça, je l'avais heureusement pressenti à l'avance parce que je m'étais renseigné auprès des équipes d'archéologie monumentale. Donc ce qui m'a permis effectivement d'aboutir à ce que je voulais faire, c'est-à-dire étudier l'architecture de ces différentes époques du monde antique méditerranéen en allant, puisque j'ai aussi travaillé dans le Moyen-Âge, en allant jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors ce bagage est intéressant parce qu'il m'a permis très vite, nous sommes très peu nombreux au CNRS à être architectes archéologues, si bien que on est immédiatement happé par l'université. Donc nous devions partager, j'ai partagé mon temps entre la recherche, les missions archéologiques et l'enseignement en université, ce que je continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Parce que là, on a une discipline un peu pointue, un peu particulière, parce que les professeurs qui enseignent l'archéologie ou l'histoire de l'art, ils font ce que j'avais reçu lorsque j'avais commencé mes études, ils font une description épidermique de l'objet qu'ils étudient. Donc nous, nous apportons en plus la radiographie, la façon d'aborder ce problème, et on s'efforce toujours, ce que je fais dans tous mes cours, on part de la carrière de pierre et on termine à la pose du faîtage du toit. C'est-à-dire quand on étudie un édifice, on le suit chronologiquement complètement et on apporte tous les documents disponibles. Alors, il reste des créneaux. Alors, ces créneaux, ce sont précisément les archéologues qui les fournissent. Les archéologues ne sont pas des historiens, moi je ne suis pas historien, je m'abreuve à l'œuvre des historiens. Ce sont des techniciens qui vont apporter le matériau qui va permettre de combler ces différents créneaux. Après quoi, l'historien fait la synthèse et nous, nous profitons de cette synthèse générale qui nous alimente, qui nous permet de mieux analyser ensuite ce que nous allons découvrir. Donc il y a un circuit qui n'est pas forcément intime, mais qui reste quand même dans un cénacle parce que
Le problème de la diffusion, nous en parlerons plus tard, oui. C'est celui-là, c'est okay. Comment faire comprendre au plus grand nombre toutes ces démarches successives. Donc aujourd'hui, je suis depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années à la retraite du CNRS, mais on sait très bien que le métier de chercheur, il y a un arrêt administratif, mais on peut continuer effectivement à publier, à chercher, ce qui est évident, je continue à publier, à chercher. Et puis d'autres tâches sont tombées sur mes frêles épaules d'adolescents attardés. Cette spécialité qui est très étroite que nous avons, architectes, archéologues, fait qu'il existe une petite entreprise internationale qui s'appelle l'UNESCO, qui a pour souci de s'intéresser, d'essayer d'inciter les gouvernements de tous les pays de la planète à préserver le patrimoine. Alors, le patrimoine sous toutes ses formes. Ça a commencé par le patrimoine bâti, architectural, mais ça se poursuit par le patrimoine naturel. Un site, une plage, une montagne, une forêt peut devenir un site d'intérêt mondial. Et puis ça se poursuit actuellement par le patrimoine immatériel. Mais l'UNESCO n'opère pas le jugement et l'évaluation. Il avait besoin d'un bras armé. Ce bras armé a été créé très rapidement, dans les années 70, et ça s'appelle ICOMOS, ICOMOS International. L'UNESCO entretient des fonctionnaires qui sont titulaires d'un poste, qui ont des titres plus ou moins plénipotentiaires, et qui reçoivent les demandes des différents États qui font une option disant « nous aimerions que tel site, tel monument soit inscrit au patrimoine mondial », une institution qui découle de la très lointaine liste des merveilles du monde. Donc c'est très inspiré directement par la liste des merveilles du monde. Et ça correspond, si vous voulez, au monument historique, à ceci près que cette liste du patrimoine mondial n'intervient jamais. Elle donne un label. Alors ce label n'est pas accordé directement par l'UNESCO. L'UNESCO fait appel à ces experts qu'on appelle, dont je suis. Alors là, on est choisi suivant un critère très simple. C'est une exceptionnelle beauté, c'est très simple. Et on est envoyé, nous recevons le dossier qui a été envoyé par l'État demandeur à l'UNESCO, qui nous le transmet. Nous allons faire une mission d'évaluation dans le pays. Par exemple, les pyramides bosniaques. Est-ce les pyramides bosniaques, mais dont j'ai boudé. Ah, bon. Et le patrimoine mondial n'a pas été accordé. Mais je suis allé néanmoins dans l'ancienne Yougoslavie, la Croatie, le pays voisin. Et là, on m'a parlé des pyramides bosniaques, à Zadar. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et j'ai obtenu le classement de la ville de Zadar. Je vous laisse finir votre réponse très, très synthétique. À merci, ma question. Oui. Voilà. Alors, j'achève. Donc, nous effectuons ces missions. Nous faisons une évaluation. Nous remettons ce rapport à l'UNESCO, qui, lui, accorde effectivement, parce que nous donnons un avis. Notre décision, ce n'est pas nous qui la donnons. Nous donnons un avis, favorable ou défavorable. Et à partir de là, l'UNESCO, parce qu'il y a aussi un petit calcul, une évaluation des relations politiques avec le pays en question. Donc, est-ce que le pays va vraiment garantir la pérennité, l'entretien ad vitam aeternam du bien qui aurait reçu ce label patrimoine mondial. Donc, il y a beaucoup de conditions qui sont exigées. Et l'UNESCO accorde, alors effectivement, le patrimoine mondial, le label patrimoine mondial, avec notre accord, bien entendu. Quelquefois, il y a des accords parce que j'ai quelquefois refusé des labels de patrimoine mondial qui ont été accordés à la suite de négociations politiques qui nous échappent complètement. Alors, politique et ou économique. Il faut tout de même, faut être indulgent et compréhensif. Il faut savoir que si la France est le pays au monde qui reçoit le plus de touristes, on parle relativement peu du budget engendré, enfin on en parle de temps en temps, les hôteliers ou les restaurateurs, du budget engendré par la visite des touristes. Par contre, des pays comme la Grèce, comme la Turquie, comme le Liban, la Syrie, l'Égypte, vivent littéralement de la devise touristique. Si par malheur, et c'était le calcul des islamistes en Égypte, si par malheur l'Égypte était coupée complètement de la devise touristique, le pays s'effondre complètement. Il ne peut plus vivre s'il n'a plus de devise touristique. D'où l'objectif poursuivi par les frères musulmans. Pour s'emparer du pouvoir, il faut que le pouvoir s'effondre. Donc, si on commet des attentats, les touristes ne viendront plus, le pouvoir s'effondrera, il sera à ramasser, comme nous sommes l'institution solide qui va rassembler tout le monde derrière la même bannière, le pouvoir s'installera et sera désormais entre les mains des islamistes. Donc, c'est quelque chose de... Alors, est parti loin, quand même. Nous qui faisons de l'archéologie, on découvre un univers auquel nous n'avons pas été formés, pour lequel on n'a pas de discussion possible, évidemment, c'est très compliqué. La dernière mission que j'ai faite, c'est en Tunisie, pour constater le fait que l'ancien président tunisien avait fait déclasser
très discrètement le site de Carthage, l'un des sites les plus phénoménaux de tout le monde méditerranéen. Il y a des gens qui croient que Carthage, c'est mythologique. C'est un site d'une beauté inouïe. Il a fait déclasser le site de Carthage parce que sa femme étant promoteuse immobilière en même temps que ses frères, il a vendu ses terrains à des promoteurs, c'était eux-mêmes, et ils ont construit des immeubles et des villas de luxe sur le site de Carthage. Ce qui est quelque chose d'absolument hallucinant. Et nous, on nous demande de trancher. J'ai été envoyé en Tunisie pour trancher sur ce problème. Bon, parlons d'autre chose. Alors, merci de m'avoir prêté le micro un instant. Je vous en prie, on est là pour ça. Mais du coup, c'est étonnant parfois de ne pas obtenir de réponse quand on demande aux gens d'où vous venez. Et ça l'est autant quand on a des réponses aussi développées. Donc, on a appris des choses. Hein. Donc, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on est parti loin par rapport au thème. Oui, c'est vrai. Donc, on va revenir. Le thème, c'est le chercheur d'un côté et l'auteur de fiction en face. Parce que le but, c'est de faire la part des choses entre ce qui relève du réel et qu'on cherche quand on fait de l'archéologie et la fiction qu'on peut imaginer comme on veut. Donc, quel est le rôle, on a évoqué un peu, mais le rôle du chercheur dans la transmission du savoir. Parce que le chercheur, il produit de la connaissance et souvent, sa carrière dépend de cet aspect-là, publish or perish. Mais il y a une autre dimension à ce travail qui est de transmettre. Parce que produire des connaissances, c'est bien, mais si la connaissance elle est accumulée dans une bibliothèque que personne ne peut visiter, c'est dommage. Donc, votre avis sur la transmission ? C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Si, vraiment. On l'a préparé ensemble, d'ailleurs. C'est une question qu'on ne pose pratiquement jamais. Voilà. Parce que ça va de soi d'être prof, d'être instituteur ou d'être chercheur. Bon, les chercheurs, très bien. Bon, et puis il est enfermé dans une bulle, comme je disais tout à l'heure, le prof il a sa classe et ses élèves, le chercheur il a son labo et ses publications. Or l'objectif de tout ça c'est effectivement de diffuser la connaissance, pas entre les gens du laboratoire ou de la discipline, c'est évidemment une diffusion la plus large, la plus généreuse possible. Et pas seulement même nationale, c'est une diffusion complètement planétaire qu'il faut envisager bien entendu. La difficulté, c'est effectivement, elle ne vient pas forcément de l'institution, mais elle vient aussi très souvent du chercheur lui-même. Il y a beaucoup de chercheurs qui estiment, alors ça, c'est un héritage qui remonte loin, vous avez tous fait du grec quand vous étiez petit. Non. Or, vous savez que les philosophes grecs répugnaient à communiquer les connaissances. Platon, quoi, hein ? Bon, d'accord, le mythe de la caverne, hein ? La République. Platon, l'un des plus grands noms de la philosophie, un humaniste, a-t-on envie de dire ? Pas du tout. Platon a écrit des textes atroces sur les esclaves, des sous-hommes, des animaux qu'il faut traiter comme tels. Or, j'en viens à la suite, aux scientifiques. Or, Platon a été esclave lui-même. C'est tout de même fabuleux. En se rendant voir un collègue en Sicile, son navire est capturé par des pirates. Il est donc vendu sur un marché d'esclaves. Et il a connu l'esclavage. Il a été racheté par un de ses disciples qu'il a reconnu sur un marché, donc il s'en est bien tiré. Mais malgré ça, il a continué à charger les esclaves comme étant des sous-êtres. Et de surcroît, les deux volets de ces philosophes athéniens, c'est le mépris des gens qui n'ont pas besoin de savoir, par excellence l'esclave n'a pas besoin de savoir lire et écrire, puisqu'il va travailler dans des mines ou dans les champs. Et ensuite, les connaissances issues de la réflexion des philosophes qui ne font pas que de la philosophie, comme vous le savez. Le philosophe, c'est le savant, l'homme du savoir. Donc les mathématiques ont progressé. La recherche fondamentale en mathématiques est due aux philosophes grecs, bien sûr. Ça doit rester à l'intérieur d'une société élitiste qui ne doit en aucun cas communiquer. Et Platon a écrit, c'est un tort, c'est une faute grave de vulgariser, de trivialiser les découvertes du monde scientifique. Ça doit rester entre nous. Or, beaucoup de scientifiques aujourd'hui, et non des moindres, conservent, je ne sais pas si c'est virtuellement ou obscurément, cette idée que le monde scientifique est un monde intellectuellement élitiste et que de toute façon, pourquoi communiquer ? Puisque de toute façon, mon charcutier ne comprendra rien de ce que je vais lui raconter. Donc il y a une démission, a priori, donc je suis très féroce, mais je fréquente quand même le monde scientifique depuis quelques siècles, et il y a des gens qui n'ont aucune mauvaise conscience à dire, bon, nous avons nos publications, nos colloques, nous terminerons un jour à l'académie, dans une académie des inscriptions et belles-lettres ou académie des sciences, le savoir restera entre nous, il y aura le dictionnaire de l'académie, il y a nos publications, nos collections scientifiques, et ils n'imaginent pas du tout cette grande ouverture. Alors, quand on leur dit, mais
comment les gens vont apprendre en prenant le métro ou le train, les dernières découvertes en matière d'astrophysique, par exemple. Oh, mais ils diront, mais il y a des magazines. Mais oui, mais les magazines, alors là, on arrive au journaliste scientifique. Le journaliste scientifique, c'est celui par excellence qui diffuse. Et c'est parfaitement exact. Or, le journaliste scientifique n'a pas toujours été lui-même un scientifique. C'est de plus en plus fréquent. Très souvent, le journaliste scientifique venait du journaliste d'actualité. Le journaliste d'actualité, il rencontre des gens, il enregistre un événement, il le rapporte. Le journaliste de faits divers n'est pas du tout tenu de commenter. Absolument pas. Il peut le faire s'il interroge un économiste et que lui-même a un certain bagage par expérience professionnelle sur l'économie. Il peut effectivement rajouter un commentaire, mais normalement, il n'est pas du tout tenu de le faire. Il rapporte ce qu'il a enregistré, ce qu'il a entendu dire ou ce qu'il a lu, bien entendu. Le journaliste scientifique, lui, doit commenter. C'est complètement différent. Le journaliste scientifique est aussi un auteur. Il va lire un article scientifique, il va lire un livre, il va rencontrer un scientifique. C'est la discipline que lui-même, théoriquement, a acquise pendant ses études. Donc, il est capable de décrypter et de traduire en clair la publication. Or, les archéologues, à cet égard, sont tout de même favorisés. Parce que de très loin, c'est évidemment la discipline scientifique qui a la plus grande séduction. Pour l'homme de la rue et même la femme de la rue, l'archéologue, il a une pelle, une pioche, il fait des trous et il trouve quelque chose et il le montre. On oublie qu'il y a un énorme bagage, évidemment, en amont de tout cela et en aval de tout ça. Parce qu'avant tout ça, il doit détecter, identifier l'objet qu'il a trouvé, il doit le replacer dans son contexte et l'introduire dans l'histoire. Donc il y a le même cheminement que pour l'astrophysicien ou pour le biologiste, bien entendu. Et on a l'impression que donc, l'archéologie est plus facile et plus accessible parce que, fort heureusement, et contrairement à ce que disent les messieurs et les dames que nous allons critiquer ce soir, non, il n'y a pas de dames, il n'y a que des messieurs. Les messieurs, d'ailleurs, par essence, sont fondamentalement vilains. Et, pas de misandrie chez nous. Yabol. Donc, vous faites perdre le fil de mon propos qui était très très bien parti. Là, j'étais très content de moi. Donc, les archéologues ont une discipline qui est particulièrement propice au passage. Et parce que l'archéologie fait appel à des bénévoles. Or, ce que nous reprochent souvent les archéomanes, les pyraminomanes, c'est de dire, vous êtes un monde secret, fermé, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas que des bénévoles aient d'autres idées que vous? Alors, on leur rappelle qu'aucune discipline autre que l'archéologie, sauf peut-être l'astronomie. L'astronomie et l'archéologie sont les deux disciplines scientifiques qui font appel à de très nombreuses associations ou à des bénévoles qui participent aux fouilles archéologiques. Et je rappelle que les très nombreux clubs d'astronomie en France, en Allemagne, j'en ai rencontré en Allemagne, j'en ai rencontré en Grande-Bretagne, reçoivent un programme de recherche de la part des grands observatoires et qu'ils sont tenus d'accomplir un programme de recherche, de le publier. Donc ils sont intégrés à la filière scientifique et eux-mêmes diffusent très largement dans les milieux publics. Donc il y a là quelque chose d'absolument admirable. Il me semble admirable. Que chez les naturalistes aussi, on peut relever des espèces et que les associations peuvent... Parce que les espèces, avec le réchauffement climatique, migrent vers le nord. Donc on a des relevés en botanique, en ornithologie, où les bénévoles aussi peuvent ramener des informations. C'est vrai, je le savais pour les oiseaux, notamment voilà. Pour les oiseaux migrateurs, mais je l'ignorais pour des disciplines plus étendues. Et les insectes. Donc il y a une accession du public. Donc tous les scientifiques ne sont pas complètement fermés. Mais il faut bien concevoir que certaines disciplines fondamentales dont on ne peut pas se passer, et notamment les mathématiques et la physique, ont beaucoup de difficultés à s'exprimer, à se faire entendre du public. Quand bien même il y ait des journalistes qui essayent de temps en temps de grappiller quelque chose et de demander aux chercheurs de trouver le langage, ce qui n'est pas facile, pour pouvoir présenter une découverte ou une direction de recherche. Or, il est vrai qu'il y a un langage qui est de plus en plus international maintenant. La plupart des scientifiques sont à peu près tenus de parler en anglais, de publier en anglais, de publier dans les deux langues d'ailleurs. Et on entremêle finalement le vocabulaire des publications de formules qui sont en britannique et qui n'ont pas une traduction évidente. D'abord parce que l'anglais est beaucoup moins riche que le français et chaque mot britannique a plusieurs significations avec un seul mot. Prenons un exemple très simple en archéologie qui est mon domaine. Le mot « plaster » qui se traduit pour nous par plâtre, chez les Anglais, veut dire le plâtre, l'enduit, le mortier.
Donc, trois choses qui peuvent avoir une fonction, un aspect complètement différente. Alors, lorsqu'on dépouille une publication sur la maçonnerie romaine à Pompéi, par exemple, où il y a des fresques, où il y a des enduits neutres, où il y a des enduits qui imitent de grands appareils, où il y a des enduits de sécurité, où il y a des enduits de jointoiement, etc., on trouve toujours le mot plaster. Et à ce moment-là, on n'a pas l'information. Alors que le français a un mot pour définir chacune de ces rubriques particulières. Donc, voilà, la difficulté de communiquer, elle tient à tous ces facteurs. Et en même temps, si l'archéologie est d'un accès facile, elle rend aussi illusoirement facile le fait de pouvoir inventer une archéologie parallèle. Et là, on en vient au propos qui va être développé brillamment ce soir. Et brièvement, parce que la partie 1 va arriver à son... Alors, on a commencé en retard, donc on va décaler un peu, mais on avait aussi le rôle de la fiction, et notamment, dans quelle mesure la fiction des œuvres classiques, Astérix, j'ai noté, enfin vous avez noté pour moi, parce qu'on a échangé Alix l'Intrépide, et j'ai oublié le troisième, et Indiana Jones, par exemple, des fictions que tout le monde connaît, plus ou moins. Dans quelle mesure elle contamine la connaissance que les gens ont, croient avoir du réel, et dans quelle mesure la fiction contamine les croyances sur l'archéologie. Très bien, alors ça poursuit exactement ce qu'on était en train de dire sur... Mais alors, très très brièvement... Hein. La facilité d'accès à l'archéologie. Les bandes dessinées, le cinéma, et Indiana Jones, par excellence, c'est évidemment le modèle de l'archéologue pour tout le monde. Mes petits-enfants, tout le monde me dit « t'es le nouvel Indiana Jones », ce qui est très vexant. Parce que l'auteur de fiction, que ce soit Alexandre Dumas qui écrit un roman historique, il a tous les droits. On ne peut jamais, c'est vraiment d'une férocité, d'une injustice totale, de critiquer un auteur de roman historique parce qu'il s'est trompé dans un événement concernant la carrière d'Henri IV. Il a parfaitement le droit de prendre un personnage de l'histoire et de le faire parler. C'est même une jubilation. Un auteur de roman historique qui fait parler des gens, qui les fait dialoguer, c'est un plaisir absolument, c'est un plaisir orgueilleux, mais il a parfaitement le droit de le faire. On ne peut le critiquer que sur la qualité littéraire de l'œuvre, sur la cohérence du récit et sur la qualité des références. Parce qu'une fiction est d'autant plus crédible et valable que la référence est solide et méticuleuse. Donc, il y a une jonction très étrange entre la réalité donnée par l'histoire, par la science, et le fait que l'auteur qui va utiliser ces références peut les manipuler et réécrire l'histoire à sa manière. Alors, le cinéma s'en est emparé avec bonheur. Indiana Jones devient le modèle de l'archéologue. C'est-à-dire qu'il est vraiment l'anti-archéologue total, absolu. Pendant trois minutes au début de chaque film, il termine un cours à la fac. Hein, et nous verrons la semaine prochaine ce que pensent les Mayas des pyramides. Alors, les élèves sortent de l'amphi. Et après ça, il se lance dans une aventure qui est une chasse au trésor. C'est son seul objectif. Non seulement c'est une chasse au trésor, mais en plus, il pique les objets, il les conserve. Donc, pillage. On est complètement dans l'aventurier. Alors, Alien Project ? Le film est tellement bien fait que... Le personnage imprègne les mémoires et on dit « quand je serai grand, je serai archéologue comme Indiana Jones oui. ». C'est tellement vrai que... Alors, j'ai eu ça moi, quand j'étais au collège, j'avais un camarade de collège qui voulait faire archéologue parce qu'Indiana Jones. Moi c'était Lara Croft. Moi c'était Lara Croft, c'est fou. C'est pas mal. Lara Croft aussi, c'est un beau chasse au trésor. Hein. Voilà. Alors, on ne peut pas les critiquer à nous lorsqu'on nous pose la question « Que pensez-vous d'Indiana Jones ? Est-ce que vraiment les crânes de cristal ?» etc. On leur dit « Mais non, ce film est une fiction, c'est une très bonne fiction, très bien filmée, l'auteur joue bien, mais c'est une fiction. Arrêtez de croire qu'on vous dépeint une situation réelle. Sinon, ce n'est pas drôle d'ailleurs. L'évasion, elle est vraie parce qu'elle est valable, parce qu'on pénètre dans un décor imaginaire. » Quand on rentre à Euro Disney, à Disneyland, tout le monde dit bah, c'est nul, c'est pas du tout un vrai château fort. Mais non, ça n'a aucune importance. L'objectif de Disneyland, c'est de créer, de matérialiser l'imaginaire. Et quand on rentre à Disneyland, parce qu'on l'a voulu, on accepte de rentrer dans un décor imaginaire. Donc on ne peut pas le critiquer à cet égard. Je fais une parenthèse pour dire qu'il y a des gens, je vous coupe parce que c'est mon travail, qui vont, c'est mon loisir aussi, c'est mon plaisir, voilà, je coupe la parole aux gens et voilà, et fuck les rageux. Et moi je vous aime. J'ai eu une discussion il y a quelque temps, les abonnés s'en rappellent, avec un monsieur qui s'appelle Laurent Freeman, de Stop Mensonge,
qui m'a soutenu que Indiana Jones, c'était la réalité. Et que donc Hollywood, c'était un endroit où en fait c'était le seul endroit où pour relâcher la pression, on nous disait la vérité et tout le reste on nous ment. Voilà, c'était le jeu. Refaire la parenthèse. Ça, vous réagissez oui, ou pas c'est intéressant. Vraiment. Ah non, mais c'est très intéressant voilà. Parce que cette réaction, elle n'est pas unique. Oui. Au contraire, moi, je la rencontre chez tous les jeunes. Je fais des conférences dans les lycées, par exemple. Oui. Et dans les lycées, entre 13 et 16 ans, ça marche. Ça marche. Et on me demande. Entre 13 et 16 ans, donc Laurent Freeman, si tu regardes. Cela dit. Toute honte bu. J'ai travaillé pendant 15 ans en Égypte, qui plus est, très souvent dans une nécropole, la nécropole royale au-dessus de Memphis, donc là, dans les tombes de l'Ancien Empire, bref. Or, ce que j'ai vu, exploré, trouvé, dépasse, je vous le jure, dépasse tout ce qu'on voit dans Indiana Jones. C'est-à-dire que les émotions qu'on ressent sont absolument anormal. Il ne faut pas être cardiaque quand on descend dans une tombe, qu'on a travaillé pendant 15 jours à vider un puits, à descendre, on trouve la clôture qui ferme la tombe, donc on se dit ça y est, elle est intacte, personne n'y est rentré là-dedans. On ouvre, on démonte cette clôture, on rentre dans la tombe, tout est en place. Et alors là, c'est vrai qu'on ressent une émotion que ne ressent pas Indiana Jones, parce que lui, il rentre, il va très très vite, il court, il s'intéresse oui, à rien, il a des pièges, lui, hein. Sa vie est en danger vrai. Quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Il y a des flèches partout, attendez. Ah, c'est vrai. Bon, d'accord, moi je dirais plus. Mais le fait est que ça contamine beaucoup. Et dans les critiques que vous recevez, est-ce qu'on a des gens qui se prennent pour Indiana Jones parmi ceux qui sont non, c'est différent. Il n'y a pas la référence à Indiana Jones. La référence à Indiana Jones est une référence innocente, toujours d'accord. Innocente. Des gens qui disent, mais alors c'est formidable d'être archéologue, ah oui. Est-ce que vous avez connu les mêmes émotions, les mêmes découvertes ? Ce n'est pas du tout ceux qui veulent trafiquer l'histoire. Ça, ils ont un regard particulier et émerveillé sur l'archéologie et d'accord. Sur le travail de l'archéologue. Donc, ce n'est pas négatif. Alors, dans ce cas-là, moi, j'ai une question pour clorurer. Fermer. On va clorure cette première partie avec une question qui a été posée sur les réseaux avant. C'est, est-ce qu'il y a certaines œuvres littéraires qui se distinguent par la qualité de leur respect par rapport au savoir scientifique sur l'archéologie, sur l'histoire ? Qu'on pourrait conseiller aux gens, telle œuvre de fiction, oui. Consommez-la, lisez-la, regardez-la, parce que là, pour le coup, on apprend des choses vraies. Il y a un auteur qui écrit depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Christian Jacques, qui est égyptologue alors, de formation. Plus que 15 ans, pour le coup. Plus que 15 ans ? Oui, c'est l'humour de M. Adam, c'est voilà, au moins 16 ans. Oui. 17 ans et demi, voilà. Et qui a une formation d'égyptologue. D'accord. Il a fait son cursus normal. Il était à la fac, il était à l'IFAO, il a travaillé en Égypte. Donc, il a des références solides, incontournables. Et quand il écrit un roman, même si on n'apprécie pas sa littérature, ce n'est pas grave, il écrit très honnêtement. Hein. On peut trouver que ses intrigues, on les a déjà lues ailleurs. Mais peu importe, le fait est qu'il a un très grand succès et qu'il écrit des romans historiques qui se déroulent à l'époque pharaonique. Sa documentation est parfaite. Il n'y a pas une erreur. Il sait justement très habilement utiliser une documentation parfaitement authentique. Au milieu de ce décor réel, il fait évoluer des personnages de fiction. Donc ça, c'est très bien conduit. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs de romans historiques. Il y a une dame qui s'appelle Von Eyck, je crois, qui se fait passer pour égyptologue. C'est de l'autopromotion. Hein, qui écrit « Annery sur Annery ». Alors, ses références, ses histoires, sa littérature, tout est médiocre. Donc, tout n'est pas bon à prendre, mais Christian Jacques, au moins, a des références d'accord. Antérieurement à son rôle d'écrivain en tant qu'étudiant en égyptologie et qu'égyptologue qui a exercé. Et il écrit de très bonnes choses, bien entendu. Mais merci. Y en a d'autres. Ah, donc, s'il y en a d'autres, on pourra les citer tout à l'heure. Là, je vous arrête pour faire un peu de réclame. Oui. En fait, sur le sujet de l'archéologie, etc., on m'a offert plusieurs ouvrages. Enfin, d'abord, je remercie Claude qui m'a envoyé cet ouvrage-là de Michel Lurquin. Donc, Michel Lurquin, c'est quelqu'un qui fréquente la page diététique, donc je le salue. J'ai pas lu encore l'ouvrage, j'ai lu une vingtaine de pages, c'est plutôt bien, c'est fort intéressant. Ça s'appelle « Pour en finir avec les mythes de l'histoire ». Donc, il est pyramide, mais il n'y a pas que les pyramides, donc il y a pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes. Et dans la collection « Une chandelle dans les ténèbres », qui est la collection dirigée par Henri Brock, hein, le papa de la zététique qu'on connaît bien, il y a cet ouvrage-là en deux parties. Donc « L'ordinateur d'Archimède », donc partie 1 et partie 2, de Frédéric Lecaevre, que je n'ai pas non plus eu le temps de lire, mais j'ai feuilleté, il y a des figures géométriques, il y a des calculs. Donc, parce qu'en fait, c'est censé être un ordinateur qui date de l'Antiquité.
Donc autant vous dire que c'est étonnant. Et donc la machine est vraiment étonnante. Donc il l'a décrit. Et dans le tome 2, là, il dit c'est le naufrage. Parce que là, du coup, là, il dit qu'en fait, c'est un petit peu moins étonnant que ce qu'on nous a vendu. Donc voilà, donc une belle collection pour les cadeaux de Noël. Voilà, pour les gens qui y croient trop à des trucs bizarres, bah, vous pouvez leur offrir ces ouvrages-là. Et moi, je vais les lire en tout cas dès que je pourrai. On va faire une pause maintenant de quelques minutes. Alors, une pause un peu particulière. Parce qu'on va avoir donc le monsieur Latruffe, notre ami journaliste, qui fait un petit sujet sur le magazine Santé Plus Magazine, qui est un magazine qui parfois est absolument dégueulasse. Et vous verrez pourquoi, parce que franchement, c'est un peu honteux. Et puis, juste avant, ça dure 3 minutes et quelques, il y a une nouvelle forme d'émission qui s'appelle La Minute Sapiens. Alors j'en suis l'auteur, je suis très fier. Et j'ai travaillé avec Maxime qui a le rôle de Magic Jack, un personnage un peu bizarre, vous verrez. Il y en aura une tous les mois, normalement, donc on la diffusera sur notre chaîne aussi. Et donc là, ça parle de l'intuition, donc je vous laisse regarder ça. Et on vous retrouve dans à peu près 6 minutes, si mes calculs sont exacts. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Ah, j'en étais sûr. Je le savais. Je me doutais bien. J'avais encore raison. Cela vous arrive, avouez, d'être fier que votre première impression s'avère juste, que votre petit doigt vous ait soufflé le bon sentiment. C'est bien agréable de se rendre compte que ce je ne sais quoi à propos de la stagiaire ou du voisin était finalement correct. C'est humain. L'intuition, c'est une sensation de vérité. D'une certaine manière, vous savez quelque chose, ou du moins c'est l'impression que cela vous donne. Mais l'intuition a cela de particulier que vous sentez que vous savez, mais sans savoir pourquoi vous avez cette conviction. Parce que l'intuition, c'est tellement fort que ça va plus vite que la pensée. C'est fascinant car cette sensation de vérité, vous y tenez. Vous aimez vos intuitions. Vous aimez vous dire que vous aviez raison depuis le début, quand bien même vous ne saviez pas pourquoi. Tout le monde éprouve ça. C'est sympa, une intuition. En société, c'est même bien vu d'être une personne intuitive. De sentir les choses. Et pourtant, il y a un truc qui cloche. Regardez bien. Une conviction qui va plus vite que la pensée. Une sensation de vérité, de confort. Une première impression puissante sur les situations, sur les gens. Est-ce que cela ne vous rappelle pas une autre notion? Est-ce que cela ne correspondrait pas exactement à ce qu'est un préjugé? Mais pourtant, vous sentez bien que ce mot ne porte pas la même connotation. Vous savez que les préjugés sont de mauvais conseils, qu'ils amènent à des déclarations et à des actes stupides et dangereux. C'est donc très différent d'une intuition. Vous le sentez au plus profond de... Oh... Vous avez l'intuition que vos intuitions ne sont pas des préjugés. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand vous êtes expert d'un domaine, rompu à la pratique de votre art, vous pouvez développer cette capacité à penser plus vite que vous-même. Votre cerveau apprend à embrasser une scène en un clin d'œil et à vous livrer un compte-rendu pertinent. C'est la rançon de l'expérience. Vous récoltez un brouillon synoptique à partir de myriades de données que vos sens perçoivent dans l'environnement. Et ce brouillon est d'autant moins bâclé et trompeur que vous êtes expérimenté. Néanmoins, entre nous soit dit, tout expert que vous soyez dans une discipline, il y a de très forts risques que vos intuitions dans les autres domaines ne soient réellement que des préjugés. C'est très désagréable parfois, la prise de conscience. On n'a pas très envie d'écouter celui qui nous dit que nos intuitions sont souvent de mauvais conseils. Mais sans remise en question, mes amis, point d'amélioration. Pour y arriver, si je peux me permettre de vous donner un truc, il faut réussir à faire le tri entre qui je suis. Et ce que je pense, cela me permet de changer d'avis sans ressentir l'humiliante impression de me renier. Ce qui me définit, c'est moins ce que je pense que comment je le pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Salut Julien. Salut.
En faisant des recherches pour notre article sur la nutrition pendant un cancer, on est tombé sur quelque chose qui nous a plutôt fait sourire. Oui, il semblerait qu'en mangeant seulement de la tomate et du curcuma, on puisse complètement guérir de la maladie. Ces aliments seraient suffisamment efficaces pour se passer de chimio. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des truffes ? Eh bien écoute mon petit Vincent, ça en a tout l'air, mais pour en avoir le cœur net, analysons cet article tout de même. Posez-vous confortablement, prenez une bière, un café, c'est parti. Donc là on est face à du lourd, un article de Santé Plus Magazine qui titre « Le cancer meurt quand vous mangez ces 5 aliments, il est temps de commencer à les manger ». Bref, on va l'analyser avec un bullshitomètre qui va se trouver ici. Plus les détails craignos augmentent, plus le bullshitomètre s'affole. Vous allez voir, ça va aller très très vite. D'abord, mais regardez-moi ce titre, on a une putain de formule magique pour guérir du cancer. Non, il n'y a plus besoin de chimio, mais mangez des tomates et buvez du café, ça fera l'affaire. Si une telle découverte était vraie, vous en auriez déjà entendu parler à la télé et dans les journaux. On n'est plus à l'époque de l'ORTF, hein, où la télé était contrôlée par l'État. Oui, la censure et l'autocensure, ça existe en France, hein, le système médiatique peut nous pousser à peu ou pas parler de certains sujets. Mais faut pas pousser quand même, hein. D'ailleurs, ces titres putassiers, vous devez en voir tous les jours, puisqu'on les retrouve aussi dans les médias traditionnels. Bah oui, nous, quand on écrit notre article, après on essaye de vous appâter. Des fois, c'est plutôt rigolo, parfois involontaire, et puis, parfois, bah ça dérape. Quand il s'agit de notre santé et de science, soyez méfiants. Ensuite, la photo de l'article. D'habitude, nous, les journalistes, on a dans nos médias des photographes, des graphistes ou une base d'illustrations qu'on paye. Des fois, on en vole, ça arrive, mais on essaye d'en voler des jolies, des pertinentes. Là, il n'y a rien de tout ça, c'est dégueulasse, pixelisé. Ça correspond bien au design un peu cheap, un peu tout pourri des sites pas très sérieux. Passons à l'auteur, ce cher William Krasowski. Clic droit, recherche sur Google, comme d'hab. On trouve pas grand chose et c'est un problème. En général, nous les journalistes, on a un compte Twitter ou un CV en ligne. On a une espèce de présence publique, comme ça on peut nous identifier facilement. Là, il n'y a rien de tout ça. On voit son nom sur des articles pour perdre 6 kilos en 10 jours ou sur un autre article de Santé Plus Magazine à propos d'un élixir miraculeux pour faire plus jeune. Bref, attaquons l'article en lui-même. En gros, il présente des aliments comme les myrtilles ou le thé vert qui permettraient de guérir du cancer. Soit, pourquoi pas, hein, sauf que la nuance et les sources sont quasi absentes de cet article. Et c'est bien là le problème. Par exemple, ils expliquent que la tomate va réduire de 50% les chances d'avoir un cancer de la prostate. Moi, si ça marche, je suis pour, évidemment. Cette étude d'Harvard dont ils parlent, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle a été faite quand ? Et puis, combien de kilos de tomates est-ce qu'il faut que je mange ? Est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes ? Bref, ou pour le café qui, dans le titre de l'article, guérirait d'un coup le cancer et là passe à quelque chose de conditionnel. Il réduirait le taux de récidive du cancer, du bon conditionnel, bien flou, parfait pour faire du putaclic. Moi, je veux du vrai journalisme scientifique, pas du blabla comme ça, là. C'est ça le réel problème de genre d'article, il mélange une espèce de vérité à du mensonge, de la manipulation, il tord les études pour aller dans son sens. Alors pour finir, on va s'intéresser aux médias en lui-même. Dans la rubrique « Qui sommes-nous ?», on voit qu'ils sont indépendants face aux méchants lobbies pharmaceutiques. Ouais, ok, sauf que faut me le prouver. Moi, je peux dire que je suis méga musclé. Il vous faut des preuves. Surtout que leur site est blindé de pubs pop-up à la con. Des pubs que le site peut accueillir, puisqu'il a des titres putaclic qui doivent lui fournir un trafic très important. Et donc, évidemment, un max de thunes. D'ailleurs, vu le what the fuck total des articles qui sont sur ce site-là, on pense par exemple à celui-là qui parle de sang et d'extraterrestres, ou alors qui font appel à nos plus bas instincts, bah on se casse, hein. Alors vous allez me dire, mais c'est qu'un petit article à la con, pas très bien foutu, ça n'a aucune conséquence. Sauf que Santé Plus Magazine sur Facebook a plus de 7 millions de fans. Nom de Dieu! Vous vous rendez compte? C'est presque deux fois plus que le monde. Raconter des conneries sur un sujet aussi sensible que le cancer, avec une force de frappe aussi colossale, c'est limite criminel. Récemment, un médecin a été condamné et a été rayé de l'ordre des médecins pour avoir prescrit du radis noir à une patiente atteinte du cancer du sein. Une femme en est décédée par sa faute. En aucun cas, un aliment ne peut se substituer à un traitement classique. C'est la base.
Si vous voulez quelques exemples de bonnes pratiques, mes copains que vous avez vus en début de vidéo m'ont filé des liens que je vous mets dans la description, comme le reste des sources de la vidéo. Vous pouvez aller voir aussi leur travail. Ils bossent sur le sport santé. Par exemple, faire du sport va pouvoir réduire la fatigue d'un patient ou va réduire les risques de rechute. Mais ils vont nuancer tout ça. Ils définissent leurs termes scientifiques, etc., etc. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous y verrez plus clair. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous. Je gagne 0€ en faisant ça. Le but, c'est vraiment que l'information se partage. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas une chose, le journalisme, c'était pas mieux avant. Oh, oh là là! Oh, arrêtez! Donc, deuxième partie de l'émission, avec toujours Jean-Pierre Adam, oui. Qui a toujours 14 ans. Mettez votre micro pour les gens qui sont sur Internet. Exact. Il faut le micro pour les gens. Là. Oui. 14 ans. Tout à fait. Alors, donc, partie 2, modus operandi des charlatans de l'histoire. C'est comme ça que je l'ai en fait, c'est un titre que je vous dois aussi. En fait, monsieur Adam a écrit toute l'émission. Mais avant qu'on commence le vif du sujet, vous avez évoqué le syndrome d'Erostrat. Je ne voulais pas me tromper dans le nom. Et je trouve que c'est une belle histoire. C'est une histoire extrêmement parlante. Pour dire des choses sur la psychologie éventuellement des gens qui sont les faussaires de l'histoire. Erostrat, c'était qui ? J'y vais. Oui. C'est une introduction intéressante parce qu'elle concerne notre discipline. Elle concerne l'archéologie et qui plus est, l'archéologie monumentale. Il y a de cela quelques années, au IVe siècle avant notre ère, vivait à Éphèse un citoyen appelé Erostrat. C'est bien, c'est le même nom. Oui. C'est lui. Or, ce personnage était d'une médiocrité affligeante. Il voyait autour de lui, on est dans le monde grec, dans le monde, une ébullition constante dans le domaine des arts, des lettres. À chaque manifestation, il y avait une pièce de théâtre, une tragédie, où l'on représentait dans le théâtre local une pièce du répertoire, d'Eschyle, de Sophocle ou de Répit. Donc, il était environné d'une densité culturelle phénoménale et lui ne produisait rien. Alors, il a cherché que faire pour devenir célèbre et inscrire mon nom dans l'histoire. Et Éphèse possédait un temple gigantesque dédié à la déesse Artémis, la Diane des Romains, qui a été classée dans la liste des sept merveilles du monde. Et ce temple était construit en marbre, mais il y avait, comme sur tous les temples, une charpente en bois, bien entendu, très dense, compte tenu des grandes dimensions de ce temple. Et il imagine de détruire ce temple de façon à passer à la postérité. Donc, il allume un incendie, il monte dans le comble du temple, il entasse des combustibles légers, il met le feu à la charpente s'enflamme, s'écroule, et en s'écroulant, provoque la ruine du temple. Donc, c'est évidemment une catastrophe sans précédent. Les Éphésiens étaient plus que sensibles au fait de posséder ce temple gigantesque, merveilleusement décoré. Il est donc. Alors, il se vante, évidemment, il se vante de son exploit, puisqu'il voulait la célébrité. Bien entendu, les édiles le condamnent à mort, et condamnent à mort quiconque prononcerait son nom. Or, aujourd'hui, 21e siècle, tout le monde archéologique, au moins, et les gens cultivés, connaissent le nom d'Erostrat. Ça veut dire que ce personnage était miné par un syndrome qui était celui d'être incapable de produire quelque œuvre que ce soit et que la célébrité n'arriverait qu'en détruisant ce qu'il y avait de plus magnifique. Or, on peut effectivement transposer cette situation troublante, angoissante pour un personnage qui se dit « Mais comment faire? Je n'ai pas les moyens de créer quoi que ce soit. Par contre, si je brûle, si je détruis, j'entrerai à mon tour dans la postérité. » Alors, ce que font ceux qui combattent la démarche scientifique, parce qu'il n'y a pas que l'archéologie, évidemment, vous en doutez, la médecine, ô combien, est agressée par un certain nombre de pseudo-médecines que l'on dit douces. Ce qui veut dire que la médecine, elle, est brutale et dangereuse, naturellement. Et ces gens-là, par conséquent, qui n'ont pas la capacité de créer quelque chose de novateur, ont comme objectif unique, et tous l'ont, sans exception, ils transforment la réalité, y compris la réalité connue, expliquée, en mystère. On retire l'explication fournie souvent par des générations de chercheurs et de scientifiques, et on substitue à la place le mystère. Et ils se disent, et ils ont raison, il y a une multitude de gens qui, dans ce pays,
n'ont pas eu accès à une formation scientifique, même une formation de culture générale suffisante, qui ne connaissent rien à l'astronomie, à la biologie, aux sciences naturelles ou à l'archéologie. Donc, je peux leur proposer un substitut d'un accès facile. À partir du moment où je dis « tout ce qu'on vous raconte, c'est faux, ce sont des mensonges », c'est ce qu'on appelle le complot de la science. Ce complot de la science a une force extraordinaire. Et tous, absolument tous, utilisent le même vocabulaire. Ils offrent les questions et les réponses qui dérangent. Et les révélations. Ce verbe déranger, les révélations qui dérangent. C'est un vocabulaire qui est très limité, c'est un vocabulaire de 40 mots, ça ne va pas très très loin maintenant, mais sans aucune exception, on trouve toujours les mêmes formules. Alors ce vocabulaire qui dérange consiste précisément à transformer la réalité, en l'occurrence ce qui nous intéresse, la réalité de l'histoire, en mystère inexplicable. Le mystère est tout de même intéressant, parce qu'ils n'ont pas besoin de l'expliquer, justement. Et là, ceux qui les suivent et ceux qui les lisent éprouvent la même satisfaction. Eux qui ne connaissent rien à l'antiquité gréco-romaine ou égyptienne ou des Mayas, ils disent « Ah mais alors c'est tout simple, on nous raconte des salades, les savants inventent des réponses alors qu'ils ne connaissent rien. » Et voilà des gens qui sont lucides et ils ont des propos qui dérangent parce qu'on gêne le monde scientifique. Alors on peut reprendre, rebondir au passage en disant « C'est vrai que ça nous dérange de savoir que l'œuvre patiente des enseignants, des chercheurs et des journalistes scientifiques est combattue et parfois abolie par des gens qui offrent un substitut qui est un ramassis de mensonges, une continuité de légendes et de fictions née de leur imagination qui nie le processus même de la recherche. Parce qu'aucun, évidemment, ne livre la moindre réponse ni ne fournit le moindre processus de recherche. Jacques Grimaud était spécialiste des arts martiaux. C'est surtout un astrologue. Bon. Alors, j'avais une question un peu sur votre autocritique nécessaire. Il faut faire son autocritique. Mais avant cela, ça m'a fait, Hérostrate m'a fait penser au fait que en fait, vous nous racontez son histoire en nous disant que à chaque fois qu'on raconte son histoire, on lui rend hommage. Alors, est-ce que vous connaissez l'effet Streisand, monsieur Adam ? Alors, non, pas du tout, mais vous allez me l'expliciter. Alors, ceux qui nous suivent connaissent. C'est un syndrome ? C'est un syndrome. En fait, ça vient de Barbara Streisand, la chanteuse. Ah, je connais Barbara. Vous m'auriez dit Barbara. Si vous connaissez Barbara, vous lui transmettrez mes hommages. Voulez-vous me chanter ? Non. Alors. Non, pas du Barbara, non. Bon, tout à l'heure. Memory. Si, merci. Je vais donc m'arrêter de chanter à la demande générale. Oui. Barbara Streisand, à une époque, a voulu interdire les photos de sa maison qui étaient parues dans un journal. Et le fait qu'elle interdise et qu'elle porte plainte a fait que le journal a été extrêmement connu. Et du coup, on appelle l'effet Streisand un effet de retour de bâton quand on veut étouffer une affaire et que le fait de vouloir l'étouffer fait que tout le monde va en parler. Hérostrate, est-ce qu'il retrouve ça ? C'est pas Streisand. Donc peut-être qu'il faudrait que nous on revoie notre vocabulaire tous et qu'on parle d'effet Hérostrate, bordel. Vous direz toujours Erato, c'est Hérostrate et pas effet Streisand. Ce que vous dites est absolument odieux. Oui. Parce que c'est exactement le langage que tiennent un grand nombre de collègues qui disent, on me l'a dit à propos de la révélation des pyramides par exemple. Voilà. On m'a dit ne va surtout pas parler de la révélation des pyramides, car ce sera de la publicité positive. Voilà. Les gens qui n'en ont jamais entendu parler vont vite aller sur le site et vont trouver des kilomètres, évidemment, sur la race supérieure, les grands anciens, etc., qui ont construit la pyramide, ont réécrit l'histoire complètement depuis A jusqu'à Z. Et c'est une publicité qui est constructive et qui, évidemment, va anéantir les efforts des historiens, des archéologues et la démarche scientifique. Donc, hélas, c'est parfaitement exact. Et du coup, qu'est-ce qu'on répond à ça ? Parce que c'est une vraie question. On répond ? On l'a reçu aussi. Le fait qu'on invite certaines personnes dans notre émission, on nous dit « Ah, vous faites le jeu, vous faites que nous, on aille dans des émissions particulières. » On nous reproche de donner de la légitimité à ces propos-là en en parlant. Donc j'aimerais avoir votre avis, vous qui pratiquez ça depuis longtemps. Je me rappelle quand même de chez Bernard Pivot en 87. Oui, mais je vous en prie. En 1823, il y a quelques temps déjà, vous êtes déplacé. À l'époque, personne ne voulait le faire. Non, personne. Pourquoi vous, à ce moment-là ? Cela dit, j'ai été critiqué par certains de mes collègues. Justement, alors pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on leur répond ?
Alors, c'est très ennuyeux parce que justement, on n'est pas armé à répondre à ça. Instinctivement, on dit, mais il faut y aller, il n'y a pas de raison. Et puis, on se dit, on réfléchit après, on dit, mais il y a une réalité, c'est qu'effectivement, on fait connaître des gens qui étaient très peu connus. D'un seul coup, ils surgissent de l'ombre, du néant, et on va chercher, on dit, mais comment se fait-il qu'on agresse si violemment ce personnage qui raconte des histoires fabuleuses? Enfin, c'est peut-être des extraterrestres qui ont construit les grandes pyramides. Pourquoi, a priori, dire non? Parce qu'il y a en amont une énorme masse de connaissances qui n'ont pas, évidemment, c'est tout à fait légitime, cette interrogation. Et donc, on a servi cette cause que l'on veut desservir et anéantir, on l'a servi, effectivement. Et j'ai accepté au début, comme ça, il y a de cela quelques années, des rencontres contradictoires. Alors, c'est là que vous vouliez me conduire. Est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là en public? Hein, on est dans le même fil. Or, ces rencontres contradictoires ont un inconvénient majeur, c'est que le journaliste qui fait venir sur son plateau un scientifique et un charlatan, brusquement, les met tous les deux sur le même podium. Et pour le téléspectateur ou les gens qui sont dans l'amphithéâtre ou dans l'auditorium, puisqu'il y a toujours du public, ces deux personnages sont rigoureusement équivalents. Ce sont deux personnages qui ont un point de vue différent sur le même problème. L'un apporte une réponse qui est la réponse dite académique, le résultat d'une démarche scientifique de très long terme, et puis l'autre va renouveler complètement, secouer les poussières, comme le dit cette revue Kadat, qui est une secte belge, qui dit « nous allons vider les écuries d'Augias de l'archéologie ». C'est-à-dire vraiment, on annule et on jette à la poubelle tout ce que le monde scientifique a apporté jusqu'à présent, et on apporte une vision, un regard nouveau. Moyennant quoi, il n'explique rien. Simplement, il remplace, encore une fois, la réponse des scientifiques par un mystère qui, de nouveau, va séduire le public. Alors, j'ai fait plusieurs rencontres contradictoires. J'ai toujours été perdant. Un certain nombre, je vais en rappeler une. C'était dans les années 70, et vous n'étiez pas né. Et non. Il y avait un personnage qui s'appelait Robert Charroux, qui a été le père de l'archéomanie. Il a inspiré ce mouvement belge Kadak, qui a repris mot à mot toutes les publications de Robert Charroux, qui a inspiré évidemment la révélation des pyramides. Et lui-même s'inspirait du Matin des magiciens, de Bergier Powells, et de la revue Planète qui a suivi, qui en était issue. Eux-mêmes s'inspiraient de Barbarin, qui avait publié des âneries sur la Grande Pyramide dans les années 30. Bref, tout ça, c'est la chaîne de l'amour qui se poursuit. Alors, j'accepte de rencontrer ce Robert Charroux. Ça me semblait normal et légitime, dans un grand amphi, plein de public, plein de monde. Et je m'engage, il amène la conversation pour prouver qu'il y a un site en Auvergne, qui est un épouvantable canular, qui s'appelle Glozel, sur lequel on a trouvé, il y a un site authentique qui était un four de verrier. Il y a un four de verrier de la fin du Moyen-Âge, qui a été complètement sabordé par le propriétaire, puis par un fouilleur qui est venu travailler avec lui. Et ils ont garni ce site par des objets pseudo-paléolithiques supérieurs, avec de l'écriture phénicienne, alphabétique. C'est-à-dire l'imbroglio monstrueux, donc c'est une ânerie totale. Bref. Je me lance dans l'explication sur la réalité archéologique, enfin l'analyse archéologique des objets trouvés à Glozel, et voyant que je me lance sur un terrain où j'avais toutes les réponses, qui était très simple, en plus c'est très simple à expliquer, ce Robert Charroux sent qu'il est en train de perdre pied, et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, alors je me lève, je mime, hein, j'ai fait du théâtre. Attention, on met en place la caméra. Ah, bon. C'est bon, on est prêt. Alors je recommence. On va la refaire. On la refait? Les gens n'ont pas vu. On la refait. On refait. Et d'un seul coup, action. Il se lève. Et d'un seul coup, il se lève, il prend un geste de tribun, et il dit, vous n'êtes qu'un sorbonnard qui récite sa leçon. C'est fort comme langage quand même. Je l'ai entendu 50 fois celle-là. Vous n'êtes qu'un sorbonnard qui récite sa leçon. Il ajoute, payé par l'État et nos impôts, très important. On trouve ça dans la caméra est là. La révélation des pyramides. On trouve ça. Elle est là-bas, la caméra, là. Là on trouve là. Ça dans la révélation des pyramides. Et moi, je défends le petit paysan de France écrasé par le complot de la science. Ah oui. Et il a eu droit à une standing ovation. Je n'avais plus qu'à faire ma petite valise et à partir. Ça a été terminé. J'étais lessivé. Pourquoi? Parce que... Asseyez-vous, ça va aller. On ne nous les gens vous aiment pas, ici. On ne nous apprend pas ça. Quand on fait des études... Voilà, c'est un métier différent que celui de on l'apprenait aux écoles normales d'instituteurs. D'accord. Il n'y a plus d'école normale d'instituteurs. Non.
L'instituteur, il fait son cursus à la fac et nulle part on ne nous apprend l'élocution. On ne nous apprend pas à nous adresser à quelqu'un. On apprend ça dans les séminaires pour que les curés fassent des serments. Nous, on ne nous l'apprend pas. Autrement dit, nous, effectivement, il n'avait pas tout à fait tort. On récite la leçon qu'on a apprise. Il faut ajouter quand même qu'on a aussi un bagage d'acquisition personnelle qui pèse encore plus lourd. Mais ça, on n'en tient pas compte. Donc, nous sommes fautifs en ce sens que notre formation ne nous permet pas de débattre de cette manière. Ça veut dire que le débat contradictoire, c'est quelque chose de complètement nul. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ou le journaliste invite des scientifiques et il parle librement, il pose toutes les questions qu'il veut aux scientifiques, ou bien il invite une cartomancienne ou un astrologue et il se débrouille avec lui. À ce moment-là, chacun fait son opinion à partir de ce qu'il a entendu. Donc, mais il n'y a pas ces espèces de mensonges épouvantables qui consistent à charger l'autre, évidemment charger le scientifique, en disant « je suis révolutionnaire, vous vous êtes payé par les contribuables », etc. Ce langage consternant, qui a dans tous les bouquins sur l'archéomanie, vous le trouvez, ça, ce langage. Monsieur Adam, oui, ça veut dire que nous, quand on invite ce Jacques Grimaud, on a tort de le faire. Vous lui faites une honteuse publicité. On a le tort de le faire. C'est exact. Eh bien, je m'en vais, comme un prince. J'espère bien. Très bien. Bon, on espère avoir contribué à montrer son absence de méthode. Après, on a peut-être échoué à le faire. Ce qui est important dans le dialogue que vous avez eu avec Grimaud, c'est que vous avez eu le mot de la fin, ce qui n'est pas toujours facile. Vous avez vu, avec Charroux, je n'ai pas eu le mot de la fin. Oui, mais là, c'était notre émission. À un moment donné, il fallait qu'on... Il fallait conclure, donc à un moment donné, de toute façon, on prend la parole pour conclure, donc il n'y avait pas le choix. Bon, donc c'est à ce moment-là, on peut reconsidérer la chose dans ce cas-là, sans l'inviter avec un scientifique. Oui, on ne sait plus qui va conclure. Monsieur le maître. Si c'est vous qui concluez, à ce moment-là, c'est différent. On comprend tout de suite pour quelle raison il a été invité. D'accord. Alors moi, je vais quand même... Il faut qu'on termine cette deuxième partie. Réveillez-vous, hein. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur, mais c'est beaucoup de concepts. Alors, il y a des gens qui vont nous regarder, qui sont peut-être en train de nous regarder, et qui vont se dire « Ah, c'est encore la même rengaine de ce cher Charlot de Jean-Pierre Adam, il est tellement pédant, il croit qu'il sait tout, que nous on sait rien, machin, il ose utiliser le mot de charlatan, comment est-ce qu'il ose dire ça ?» Bon, c'est des critiques qu'on va avoir, donc je préviens les gens, regardez au moins jusque-là avant de commenter, parce que vous aurez la réponse. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pourquoi vous utilisez le mot charlatan? Qu'est-ce qui vous autorise à le faire? Et est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez envie de changer votre méthode d'expression quand vous avez ça comme critique ou pas? Pas du tout. Alors, et pourquoi? En aucun cas. Parce que la différence est tellement énorme entre la vente du mystère qui se substitue à la vérité, qu'il n'y a pas d'entente possible. C'est comme si vous disiez, nous allons parlementer avec Daesh pour savoir si on peut s'entendre. Sans parlementer, si les appeler charlatans, est-ce que charlatan implique un désir de tromper? Ah oui. Et comment vous savez qu'il y a un désir de tromper? Il y a un engagement idéologique parce que c'est toujours teinté. Il y a une mention allusive qui est plus ou moins discrète ou plus ou moins volontaire, qui est un engagement à caractère idéologique. C'est-à-dire, derrière toutes ces pensées mauvaises de réécriture de l'histoire, songez que tout de même, dans ce film, la révélation des pyramides qui ne révèle strictement rien, vous avez droit à des images qui sont... Il faut attendre le septième film, si vous êtes exigeant. Évidemment, il n'y a pas la réponse, il faut attendre un petit peu. D'agence de voyage, puis on attend la révélation, elle n'arrive pas. Bon, alors, mais l'objectif de tout ça... D'abord, il est commercial, parce qu'il faut vendre quand même, on vend son bouquin, c'est intéressant. Et puis l'engagement idéologique consiste à dire, nous sommes des victimes. Alors, on voit pointer derrière tout ça le pauvre savant de la Renaissance qui essaye de convaincre le monde tout autour de lui, la religion par exemple, que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais que c'est plutôt le Soleil et que la Terre tourne autour. Or, j'ai entendu X fois des personnages qui m'étaient opposés, disant « Nous sommes, nous, les chercheurs libres des Galilées, vous êtes la Sainte Inquisition. Oui. » Alors là aussi, on est pris de court devant une telle monstruosité, on est un peu embêté parce que moi, j'ai pas la réplique facile dans ce cas-là. Je cherche autre chose et je reprends le cours de mon propos, ce qui n'est pas exactement ce qu'il attendait ni ce que le public attendait pas et forcément. Voilà, à un moment donné, on a parlé de vulgarisation. Si vous venez parler de ces sujets-là sur le terrain des charlatans, comme vous les appelez, oui. Si vous n'êtes pas capable de parler à ceux qui sont séduits, sans les braquer,
on pourrait vous reprocher que du coup, en effet, n'y allez pas. Parce que si c'est non, mais je le fais quand même. Je veux dire que lorsque je fais c'est pour une ça, mais si vous faites quand même, pourquoi vous le faites si c'est, pas, si c'est avec ce ton-là, et là je suis critique sévère, oui. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une autocritique de votre part par rapport à la manière dont on le fait? Parce que je sais pas, nous, parfois, on est beaucoup trop, paraît-il, beaucoup trop abrupt ou irritant dans notre manière de parler. Non, mais de je parler. Comprends très bien. Ce que vous faites et ce que je fais, c'est que nous sommes sur un ring, dans un match de boxe. Il faut frapper aussi fort, sinon plus fort que l'adversaire. C'est le seul moyen de convaincre les gens qui sont dans la salle. Parce qu'ils veulent, ils attendent un vainqueur, bien entendu. Or, face à Robert Charroux, je n'ai pas été vainqueur. Je vais vous donner une autre anecdote qui est encore pire, parce que Robert Charroux était un charlatan. Bon, le public qui était venu, c'est vrai, était d'avance pour lui, acquis à ses idées. J'ai envie de vous dire, petite parenthèse, Robert Charroux a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de livres que vous. Donc Robert Charroux n'a jamais tiré moins de 100 000 exemplaires pour ses plus mauvais tirages. 100 000. Alors là, je me liquéfie quelques instants et je reviens. Voilà, je suis revenu. 100 000 exemplaires. Très j'aimerais bien. Rappeler que je publie énormément. Depuis, j'ai pas plus de 250 titres à mon actif, comme tous les chercheurs. Hein, c'est pas du tout un modèle de vanité de ma part, un exemple de vanité. Mais mes plus gros tirages, c'est 1500 exemplaires. Alors, c'est réédité. J'ai des bouquins qui ont été réédités. J'en suis à la 7e édition d'un bouquin sur Rome. Donc, c'est bien la preuve qu'il a raison. Ça veut dire qu'il a plus de succès et qu'il ait plus de séduction. Alors, voilà. Vous n'êtes pas assez séduisant, monsieur Adam. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me coiffer différemment chaque fois, de changer mon foulard de soie, certes, la couleur notamment, et mes très belles chaussures en crocodile de Norvège. Ça ne prend pas toujours. Donc alors, je vais revenir à cette deuxième anecdote. Oui, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Allez-y. Qui est une rencontre, une autre rencontre contradictoire pour vous dire à quel point le scientifique, malheureusement, est tout petit et désarmé. Il y a quelques années de cela, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 5 ans, je crois, je vois une affiche dehors sur une colonne Maurice, Palais de la Découverte, conférence, ils ont bâti les pyramides. Conférence publique, conférence débat public, où des auteurs, des chercheurs, on les appelle chercheurs comme ça, de vérité, viennent présenter leur solution pour résoudre le problème du mystère de la pyramide. Alors on apprend qu'il y a un mystère à la pyramide. Hein. Et c'est comme Houdin, par exemple. Bon, on en parlera plus tard. On parlera des pyramides, de Khan tout à l'heure. Je téléphone à mes collègues égyptologues, je dis, vous êtes au courant de cette rencontre publique au Palais de la Découverte sur la construction de la Grande Pyramide, lever le mystère? Mais c'est absolument pas, personne n'était avisé. Aucun égyptologue n'avait été sollicité pour participer à ce débat public. Alors, moi, je m'y rends, évidemment. La salle, non seulement le grand auditorium du Palais de la Découverte, non seulement était plein à craquer, mais ils avaient mis des téléviseurs, qu'on appelle des terminaux, etc., dans d'autres salles dans lesquelles les gens, debout, attendaient la communication. Donc il y avait, je ne sais pas, 1000 personnes, alors que l'amphi contient seulement 350 places, je crois. Donc il y avait 2 autres salles qui étaient remplies de public. Et ces personnages, 3 charlots, dont un certain David Ovitz qui construit les pyramides en béton, enfin bref. Oui, on connaît. Donc, des inepties totales. Un certain Jean-Pierre Petit qui se dit, qui est autopromu astrophysicien, cela dit, il a été physicien au CNRS pendant quelques temps. Il continue à publier des choses. Et à ses débuts, il n'était pas mauvais. Puis brusquement, il a plongé, il a sombré. Il reçoit toutes les semaines une communication privée de la part des Ummites. Ce sont des habitants d'une terre très lointaine. La planète Ummo. Et lui seul... On ne rigole pas. Ah, vous recevez aussi le courrier? Je me doutais de quelque chose. Je suis en poste restante et on a des... Ah bon, d'accord. On a des échanges, mais c'est très bref. Je vous laisse continuer. N'argumentez pas dans les réponses. Hein. Répondez poliment. Merci de votre... Voilà. Oui, merci beaucoup. D'accord. Alors, il reçoit du courrier des Ummites. Bon, alors... Et en plus, il révèle qu'il y avait, dans la Grande Pyramide, une chambre secrète dans laquelle on avait trouvé dans un cercueil de verre le corps d'un extraterrestre. Ce type, invité au Palais de la Découverte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est le tabernacle de la science, de l'information des découvertes scientifiques. Tabernacle. Dont la couverture autoritaire, c'est le ministère de la Recherche et de l'Éducation supérieure. Alors, j'interviens, je me mets à expliquer pourquoi les propositions qui viennent d'être énoncées sur la tribune ne tenaient pas debout, étaient complètement incohérentes. Je me permettais, parce que c'est mon métier, de travailler dans l'architecture funéraire de l'Ancien Empire. Et la salle m'a sifflé, hué et obligé à partir. Et le conservateur du Palais des Découvertes, qui était sur la tribune comme modérateur, c'est lui
qui m'a rappelé à l'ordre, m'a prié de me taire. C'est quand même C'est énorme. Quoi son nom, ce monsieur ? Pardon ? Le monsieur, c'est quoi son nom ? La personne dont vous parlez ? Un des conservateurs du Palais des Découvertes. Du Palais des Découvertes a fait ça. Il m'a jamais dit son nom. J'ai voulu savoir, il s'est dérobé à la sortie. Mais c'est très honteux. C'est honteux. C'est totalement honteux. C'est honteux. Bon. Voilà. Okay, alors, bah, bon. J'ai demandé à publier un article de rectification dans la revue du Palais des Découvertes. Et cet article, je l'ai envoyé, n'a jamais été publié, évidemment. Bon, bah donc c'est déplorable, voilà. C'est navrant. Voilà. Malgré tout, vous n'échapperez pas à la question sur l'autocritique. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont des charlatans ? Eh bien, c'est mon expérience personnelle. Lorsqu'on aborde un sujet sur lequel j'ai travaillé, j'ai pas seulement appris à la Sorbonne, évidemment, sur lequel j'ai travaillé. Par exemple, j'ai travaillé donc 15 ans en Égypte, sur le plateau de Giza à Saqqara, avec Zayawas, directeur des antiquités, entre autres, avec Christiane Ziegler, directrice des antiquités égyptiennes au Louvre. Nous avons fait des découvertes fondamentales sur le rituel funéraire, sur l'architecture funéraire de l'Ancien Empire, sur le transport des charges lourdes, enfin bref, ce qui est le pain quotidien des égyptologues, je dirais, mais là, on a eu la chance d'avoir des découvertes fondamentales. Donc, il me semblait possible de parler en connaissance de cause des problèmes qui relèvent de l'architecture de l'Ancien Empire, de l'architecture funéraire. Et lorsque j'entends évidemment des personnages qui me racontent que tout ce qu'on dit est inventé et faux, alors qu'on a publié, je veux dire qu'il suffit d'avoir accès à nos publications. Évidemment, c'est des publications pas toujours très rigolotes. Je conviens que lire Harry Potter, c'est plus marrant. Donc, lorsqu'on nous contredit ouvertement et que avance à la place une non-réponse, la non-réponse, c'est le mystère. J'ai le droit de les qualifier de charlatans. Il y a manifestement une incompétence qui ne veut pas se reconnaître. Alors que la méconnaissance complète du sujet, le fait qu'ils ne soient jamais allés sur un chantier archéologique de leur vie, ne leur donne pas autorité pour avoir le même langage que moi. Je peux me tromper, bien entendu, dans le contexte de ce que j'ai découvert entre des confrères ou des collègues. On peut commettre des erreurs, eux sont capables de les relever, mais eux ne sont pas capables de les relever. J'aimerais dire que votre version de l'argument est la version qui fonctionne de l'argument qu'on a entendu chez Grimaud, de « vous n'êtes pas allé en Égypte, donc taisez-vous ». Grimaud n'est pas allé sur un chantier. Il est allé en Égypte recherche, comme touriste. Il n'a pas publié. Donc voilà. Il est allé en touriste. Et la vraie question de « vous n'y connaissez pas », c'est ça, c'est être dans le métier, publier, être reconnu par les autres, etc. Alors, ce n'est pas la preuve non, absolue. Il y a aussi le bon sens. Oui, mais le bon sens peut être trompeur. Alors, il y a un certain nombre. On parlera peut-être tout à l'heure. Oui, parce que là, on va s'arrêter très vite. Donc je ah bon, d'accord, on n'en parlera pas tout à l'heure. Si, mais je vous laisse finir votre idée. Finissez l'idée, s'il vous plaît. Finissez. On peut le faire. Davidovits qui raconte que les pyramides sont construites en pierre artificielle moulée. Oui. Le bon sens de mon charcutier, très brave homme, auvergnat, c'est de dire, mais si on moule des matériaux comme les briques, ils auront tous la même forme. Il y aura un seul moule pour toutes les pierres. Bah oui, ça paraît logique pour le coup. Là. C'est du bon sens. Merci. Je vous l'accorde. Si, merci quand même. Or, il n'y a pas deux pierres sur les millions de pierres de la Grande Pyramide qui aient même dimension. Elles sont toutes singulières. Il y a des hauteurs d'assises respectées dans le parement et aux approches du parement, mais pour le reste, non. Elles sont toutes différentes. Alors, pourquoi ce serait donné-t-on ce donnerait-on le mal de faire des millions de moules pour faire des millions de pierres alors qu'il était si simple eux-mêmes fabriquer des briques crues et ils normalisaient la construction des briques crues pour faire croire que c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Donc ça permet de dire cette affirmation, c'est du charlatanisme. Voilà. C'est une évidence de bon sens. On n'a pas besoin d'être égyptologue. Vous avez donné des arguments pour dire que le mot charlatan était justifié. Vos réponses vous appartiennent. Je trouve que c'est convaincant, mais les gens pourront juger. On fait la deuxième pause très vite pour pouvoir faire une dernière partie. On débordera un petit peu. Hein. Mais voilà. Une deuxième pause où Castor Mother, qui a une chaîne où elle parle d'animaux bizarres, du bestiaire, où elle dessine des choses, va nous présenter sa chaîne. Donc, et notamment un animal qui s'appelle, c'est le lassie ou une bestiole des mers. Vous irez voir sur sa chaîne, n'est-ce pas ? Et on vous retrouve dans 5 minutes 55. Salutations, moi c'est Castor Mother de la chaîne Castor Mother. Voilà. Alors la chaîne Castor Mother c'est quoi ? Eh bien si je pouvais le résumer en trois mots, ça serait animaux,
histoire, dessin. Vous retrouverez plusieurs formats d'épisodes sur cette chaîne, des formats plutôt sur la bio et des anecdotes sympathiques sur la reproduction des animaux. Il y a des choses cocasses. Et puis, il y a aussi des choses plus tournées vers l'histoire, comme pourquoi le loup a mauvaise réputation, est-ce que ça a toujours été le cas, ce sont les épisodes de perception. Voilà. Je vous emmène aussi de temps en temps visiter des endroits historiques. Voilà, pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode, mais ça viendra, hein, ça continue. Et puis, il y a aussi des épisodes où j'aborde en dessin, d'où le mot dessin, voilà, des animaux plutôt tirés de l'imaginaire. Donc, des légendes, des mythologies, des choses comme ça, donc des animaux fantastiques. Et c'est le bestiaire. Et comme l'exemple vaut mieux que mille mots, eh bien, je vous propose de regarder un épisode du bestiaire sur une bestiole qui n'est pas très connue. La serre ou la scie est un monstre marin qui, comme beaucoup de créatures du bestiaire, a eu des descriptions fluctuantes selon les auteurs et les époques. Le Physiologos parle d'un animal qui a de grandes nageoires, mais d'autres auteurs parlent carrément d'ailes avec des plumes et l'affublent aussi d'une tête de lion ou même de pattes griffues, ce qui n'est pas sans rappeler la physionomie d'un dragon. Mais là où tout le monde est d'accord, c'est sur sa taille gigantesque. Pline l'Ancien le mentionne comme étant, avec la baleine, le plus grand monstre marin des Indes allant jusqu'à 90 mètres de longueur. Le Physiologos nous dit au sujet de cette créature aquatique. Il y a un animal, si, qui a de grandes nageoires. Lorsqu'il voit un bateau en train de naviguer, il se met à imiter ce que fait le bateau. Il élève ses nageoires et commence à naviguer lui aussi, en rivalisant avec les bateaux qui naviguent. Mais au bout de 20 stades, il s'épuise, et quand il est épuisé, il replie ses nageoires contre son corps et les flots l'entraînent dans son élément traditionnel. Comme toujours, notre cher Physiologos y va de son interprétation symbolique et religieuse, et nous dit que la scie est la représentation de ceux qui tentent de suivre le bateau des prophètes et des martyrs qui traversent la vie, la mer, pour rejoindre le port paisible, c'est-à-dire le royaume des cieux. Mais finalement, ils se découragent vite et reprennent la vie de péché qu'ils avaient avant, et donc ils n'atteindront jamais le salut. Guillaume Clerc de Normandie, un trouvère du XIIIe siècle, parle lui aussi de la scie dans son bestiaire divin sous le nom de cerf. Il en fait peu ou prou la même description que le Physiologos concernant le comportement de l'animal qui va suivre les navires puis abandonner sa course au bout d'un moment. Mais il ajoute que les marins, quand ils le rencontrent, espèrent de tout cœur que la créature n'atteigne pas leur bateau, car elle représente un grand danger. En effet, au-delà d'une grande taille et cette capacité à planer au-dessus des flots aux côtés des navires, la scie possède une grande crête acérée avec laquelle elle éventre les bateaux par le dessous, condamnant ainsi l'équipage. Lexicalement parlant, on peut faire le rapprochement de la serre avec notre poisson scie, appelé en grec prétis et en latin serra, et dont la forme étrange a pu peut-être échauffer les imaginations. Mais le parallèle s'arrête là quand on prend en compte le comportement aérien et suiveur de bateaux de la créature. Et quel animal marin s'amuse à suivre les bateaux à grand renfort de saut, faisant mine de faire fi de la gravité? Les dauphins. Mais un dauphin c'est tout gentil, ça n'attaque pas les bateaux, me direz-vous. Oui, mais si l'on prend la description qu'en fait notre cher Pline l'Ancien, il est un peu moins inoffensif que ce que nos têtes du XXIe siècle veulent bien croire. Il nous raconte, dans son histoire naturelle, qu'il y a des dauphins dans le Nil qui sont dotés d'une nageoire dorsale tranchante comme un couteau avec laquelle ils ouvrent le ventre des crocodiles. Plus tard, Brunetto Latini, bien qu'il consacre deux chapitres différents aux dauphins et à la scie, leur attribue le même appendice coupant. Et Isidore de Séville raconte lui aussi que la scie éventre les bateaux par le dessous avec son aileron en dents de scie, à la manière des dauphins de Pline, avec les crocodiles. Élien, historien et zoologiste avant l'heure du VIe siècle, explique le saut et le plongeon soudain de la serre en faisant un parallèle avec le sommeil alternatif du dauphin qui, je cite, « Quand il doit dormir, il s'élève et remonte jusqu'à la surface de l'eau au point d'être totalement visible, et alors seulement sombre dans le sommeil. Tandis qu'il dort, il est entraîné vers les profondeurs jusqu'à ce qu'il touche le fond. Au moment où il entre en contact avec le fond, le choc contre le sol le réveille et il remonte. Puis de nouveau, envahi par le sommeil et vaincu par le dieu, il se remet à couler vers le fond, et tiré de son sommeil par le choc, il remonte à nouveau en surface. » Une amusante et créative façon d'expliquer les bonds des dauphins, et par comparaison ceux de la serre, ma foi. Comme beaucoup de créatures marines, la serre constitue un grand danger, né de la peur des hommes de ces grandes étendues d'eau, où ils craignaient de mourir sans sacrement et sans sépulture, les coinçant pour l'éternité dans les limbes. Une créature sûrement calquée sur le grand Léviathan, monstre marin par excellence.
La serre, ou la scie, est très peu connue de nos jours et est très peu, voire pas, reprise dans les œuvres contemporaines. Peut-être que, comme dans la légende, elle n'a pas su rattraper le bateau du temps et se laisse engloutir par les profondeurs de l'oubli. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout vous aura donné l'envie d'aller voir ce que je fais sur ma chaîne. C'est toujours très très difficile de présenter son travail, mais le mieux c'est encore peut-être d'aller voir. Et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Allez, je vous laisse avec la tronche en biais et à très bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. C'est bien, ça va. Oh, bah, ça va, tous ces gens qui applaudissent. Ah, incroyable. Dernière partie de notre soirée avec Jean-Pierre Adam. On va parler des... Qu'est-ce que j'ai marqué ? C'est un titre, alors je n'ai pas bien le cas. C'est l'actualité de l'archéomanie. Et on parlera un peu d'autres choses. Mais enfin, comme on va déborder, on va aller directement dans le vif du sujet. Il y a une nouvelle salle, grande comme un Boeing 7848, très grand, immense, dans la pyramide de Khéops. Donc ça, c'est Pyramid Scan qui a été découverte. D'ailleurs, M. Zawas a remis en question, il dit, mais ça, on savait déjà. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de Pyramid Scan ? Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat-là ? Et est-ce que c'est une découverte ? Alors, première chose, il ne s'agit pas d'un Boeing. Pardon. Il s'agit d'un avion à 200 places. Un avion à 200 places dans la Grande Pyramide. Je trouve que la comparaison est assez scientifique. Oui. Première chose. Il est vrai que trois équipes, deux équipes japonaises et une équipe française du CEA ont utilisé une méthode qui est connue d'ailleurs depuis... c'est les astrophysiciens qui ont mis en place cette méthode. C'est le comptage des muons, qui sont des particules cosmiques très puissantes qui traversent les matières minérales. Bon. Alors on peut... C'est un peu comme une radiographie. L'émetteur, ce sont les muons eux-mêmes, donc il n'y a pas d'émetteur. Et puis on met un écran sensible derrière un obstacle et on voit si les muons traversent. Et la vitesse de propagation des muons à l'intérieur de la matière est directement proportionnelle à la densité de la matière. Donc vous comprenez que si la matière est très dense, les muons ralentissent et sont piégés. Si elle se relâche, si cette densité se relâche, les muons peuvent accélérer leur mouvement. Et s'il y a une cavité à l'intérieur de l'obstacle, à ce moment-là, ils retrouvent leur vitesse initiale. Bon. Et puis, on les retrouve à la sortie, évidemment. Alors, on fait un comptage, évidemment, qui est proportionnel. On les compte par un, évidemment. Mais on compare à travers une cloison opaque et à travers une cloison qui dissimule une cavité, la différence de transit et la quantité de muons qui ont traversé l'obstacle. Bon, je résume très grossièrement, évidemment. J'ai personnellement suivi des opérations de télédétection, mais différentes, avec microgravimétrie, avec le radar. À mes yeux, la plus perfectible de toutes les méthodes, c'est quand même le radar. Pourquoi ? Parce que le radar, lui, on se met devant l'objet. Et même s'il est opaque, on n'a pas besoin d'aller derrière. Or, il y a des situations où on ne peut pas aller derrière. Le radar est très bien, on peut détecter, par exemple, la présence des fers ou la présence de fissures dans un barrage. Bon, on se met d'un seul côté, il n'y a pas besoin d'aller dans l'eau derrière, et il y aura la réponse écho du radar. Donc, le radar est perfectible, et j'espère qu'on va continuer avec le radar. La résistivité du sol pour les détections à la verticale, ça marche aussi très bien. Alors, ce procédé a donc l'inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir aller en arrière, d'un des côtés de l'obstacle, qui a été bombardé par les rayons cosmiques et recevoir ce rayonnement qui a traversé la matière. Ça veut dire qu'à la Grande Pyramide, on peut se mettre sur un flanc extérieur et on suppose que le rayonnement cosmique a traversé, il traverse tout de toute façon, notre tête aussi, il traverse la Grande Pyramide et puis on accueille à la sortie la densité des muons qui ont traversé la matière. Or, c'est là où interviennent plusieurs réflexions. La première, l'expérience a été terminée en réalité à la fin de 2016. Elle a été publiée dans Nature au début du mois de novembre. Et il fallait un temps de réflexion qui est tout à fait raisonnable. La première expérience a été conduite, ils ont placé leurs récepteurs, des écrans sensibles, des plaques sensibles, devant l'entrée primitive de la descenderie de la Grande Pyramide, là où vous voyez cette voûte dite en bâtière. Vous avez des chevrons comme Citroën, hein, c'est une voûte à pousser qui allège et protège les linteaux de la descenderie initiale.
Or, en se mettant là, et en inclinant les écrans, en visant, autrement dit, le cosmos, ils ont reçu les rayons cosmiques qui avaient traversé la pyramide. Et ils ont lu la présence d'une cavité longiligne derrière cette voûte à chevrons. Et immédiatement, c'est une tentation qui est légitime, ils ont voulu trouver une interprétation de réponse. Ils ont dit, nous avons trouvé une galerie secrète, donc il y a un réseau parallèle inconnu dans la Grande Pyramide. Or, qui a dit ça, cette phrase-là? Les ingénieurs qui... ceux qui ont fait la manip. Bien sûr, c'est pas les égyptologues. Il n'y avait pas d'égyptologues dans l'équipe. On fournit les informations à l'égyptologiste, ce qui est légitime, mais eux-mêmes avancent, en fait, donnent les conclusions. D'accord. Et avancent une proposition. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement persuadés, mais la tentation est très grande de dire, donc, il y a une galerie parallèle, donc, il y a un autre réseau à découvrir dans la Grande Pyramide. Ça, c'est la spéculation. Ils s'autorisent à dire, c'est possible qu'il y ait ça. Voilà. Non, mais c'est dit quand même avec une certaine prudence, mais c'est véhiculé. Oui. C'est ce qu'on va retenir. C'est ce que tout le monde retient. Or, il se trouve que les Égyptiens qui inventaient l'architecture, quand même, n'étaient pas des sots. Ils savaient très bien qu'un linteau devait être soulagé de la charge qu'il recevait s'il n'avait pas une épaisseur suffisante, parce qu'il risquait de se fissurer, voire de se rompre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils utilisaient deux procédés. Pour soulager ce linteau, il ne supportait plus que son poids propre. Donc, on va créer un vide, ce qu'on appelle aujourd'hui une ouverture d'imposte, avec d'abord un encorbellement, donc on fait une voûte en encorbellement, c'est ce qu'ont fait tous les mycéniens, vous voyez, l'entrée des tholos mycéniennes, il y a d'énormes linteaux de 25 tonnes, et au-dessus du linteau de 25 tonnes, il y a une voûte en encorbellement qui soulage avec un vide triangulaire qui se prolonge toute la longée du corridor. Les Égyptiens ont fait exactement la même chose. À la Grande Pyramide, ils ont trouvé mieux que l'encorbellement, ils ont fait la voûte primitive, c'est-à-dire deux éléments qui s'appuient l'un sur l'autre, et qui reporte les poussées latéralement sur la masse de la pyramide. Et entre les deux, il y a ce volume de section triangulaire qui doit se prolonger au-dessus de la descendrice. Enfin, on le voit de l'extérieur, ce n'est pas du tout une découverte. Comment ça, on le voit de l'extérieur? Ils ont modifié, on voit le triangle. Toutes les personnes qui s'approchent de la Grande Pyramide, on ne rentre pas par là, on rentre par le trou des voleurs, mais on voit ce triangle qui, aux approches du parement, était bouché par une dalle de pierre, mais derrière, il n'y a aucune raison de mettre quelque chose dedans. Les Égyptiens n'étaient pas fous. Ça ne sert donc, à rien. Sur la façade, on devine une forme. On voit la décharge avec cette voûte et cette masse triangulaire, cette galerie triangulaire qui n'a rien à voir avec une galerie de passage. Donc, quand M. Zawas dit que ce n'est pas une découverte, en fait, c'est vrai. Il a raison. D'accord. Sur ce plan, il a parfaitement raison. Non, mais on le sait depuis toujours. Les observateurs du XVIIIe siècle avaient déjà remarqué la chose. Et nous, on ne sait pas, donc on vous demande. Je me doutais bien que vous ne saviez pas grand-chose. Enfin, vous me parlerez quand même. Tel Socrate, parce que je ne me compare pas au plus petit, oui. Je ne sais rien. Vous me parlerez du pissenlit plus tard, parce que moi-même, je suis assez ignorant sur ce domaine. Bon, revenons à nos moutons. Oui. Alors, ça, c'est la première opération. Donc, cette découverte peut être validée. Il suffit de faire un forage pour savoir si effectivement on a cette décharge qui se prolonge sur toute la longueur de la descendrie. C'est possible, peut-être qu'ils l'ont interrompu aussi, on n'en sait rien évidemment. Mais c'est intéressant, ça veut dire que le procédé mérite d'être testé ailleurs. Avec cette différence, c'est qu'on est très proche de l'objet. Donc les rayons ont traversé la Grande Pyramide, puis rencontrent cette cavité près de la sortie, et là, on les reçoit immédiatement après. Donc, ça peut sembler plus facile pour ces braves muons d'impressionner une plaque sensible que si on est très éloigné du lieu d'émission. Ensuite, les Japonais ont été les plus malins. Ils ont dit, on va chercher une cavité en essayant de voir si on peut détecter la présence de la grande galerie. Cette grande galerie qui fait presque 48 mètres de longueur, 8,50 mètres de haut, qui était destinée à stocker les blocs bouchons pour verrouiller la pyramide après l'inhumation du roi, qui a 2,10 mètres de large, 2,9 mètres de large. Bon, elle est bien connue, elle a une fonction, elle s'inscrit dans le circuit. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère de ce côté-là. Et très astucieusement, ils sont dit, si on se met juste en dessous, dans la chambre, dite chambre de la reine, on va pointer nos plaques sensibles qui vont recevoir les rayons cosmiques qui ont traversé la Grande Pyramide et qui ont forcément traversé la Grande Galerie. Et on verra si on peut détecter la présence de la Grande Galerie sur nos plaques sensibles. Et effectivement, ils ont détecté... Alors, on a... Alors l'image, évidemment, ce n'est pas un dessin. On a un brouillard, c'est-à-dire que j'ai vu le document des Japonais.
On a une tache en longueur. Alors, ils mettent des colorations, parce qu'on met ça sur un logiciel qui permet de colorer, évidemment, et de distinguer les différentes émissions, les résultats. On a une tache en longueur, donc de couleur orangée, c'est ce qu'ils ont choisi. Et à côté, on voit très discrètement, en parallèle, une autre tache, beaucoup plus petite, beaucoup plus discrète, très ténue. Donc, ils en déduisent que la tache foncée, très forte, c'est la grande galerie, et ça me semble tout à fait raisonnable. Et derrière, la tache beaucoup plus discrète, qui est une espèce de brume, c'est une autre cavité qui est au-delà, au-dessus de la grande galerie, à un niveau très supérieur, d'où le fait qu'elle soit très ténue et presque invisible. Donc voilà le document. Alors les autres équipes ont fait la même chose, obtiennent, disent-ils, des résultats analogues. Je n'ai pas vu le dessin. Le CEA s'est contenté de faire une image de synthèse en présentant une coupe verticale sur la grande... Ça n'a plus rien à voir avec la mesure, ça. Une coupe verticale sur la grande pyramide où ils ont fait un mouchetis de taches blanches, de paillettes blanches. Et on ne sait pas très bien quelle forme lui donner. Alors, c'est un nuage. Bon, c'est prudent. Hein. C'est un nuage qui est à peu près au même endroit, c'est-à-dire au-dessus de la grande galerie. Et on situe ça, selon les Japonais comme selon le CEA, à une distance qui varie entre 50 et 70 mètres au-dessus du niveau du sol. Donc on est quand même dans un flou un peu comateux. Ce n'est pas un reproche que j'adresse, ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent. Alors tout de suite, la tentation est grande pour les ingénieurs qui ont fait ces mesures d'interpréter, ce qui est légitime, hein, évidemment. Ils disent, on a trouvé... Et d'ailleurs, nous, on veut savoir. Voilà. On vous donne une information, mais il me semble que puisque nous l'avons découverte, on aimerait dire quelque chose, d'où une galerie de la taille d'un avion de 200 passagers. C'est tout de même intéressant. L'image, pourquoi ce choix d'image? Alors on a un peu dire un bus. Un autobus urbain, à remorque peut-être. Oui, enfin, ou une boulangerie très, très en longueur, je sais pas. Je peux continuer ? Oui, pardon. Désolé. Il a un sens du marivaudage qui est plaisant, certes. On n'a pas le temps, il faut... Très régence. Bon. Donc, alors, le CEA va pas voulu être en reste, donc il montre une coupe sur la grande pyramide avec ce nuage. Mais les Japonais reviennent à la charge et disent, mais nous allons plus loin dans l'interprétation, puisqu'on nous pose la question. Alors, ils disent, il y a plusieurs hypothèses, toujours très prudents, on ne saurait trop leur rendre hommage de cette prudence. Ils disent, ou bien nous avons une grande salle en longueur d'une trentaine de mètres, qui est un volume unique, inaccessible parce qu'on ne trouve pas de galerie d'accès. Bon, admettons que la galerie est trop ténue pour impressionner le passage, le transit des muons dans un petit espace. Ou bien on a trois salles juxtaposées, ou bien on a une galerie descendante parallèle dans son mouvement, à sa pente, à la grande galerie. Donc on passe du brouillard à trois formules singulières. Aucune n'a de valeur précise, évidemment. C'est complètement non scientifique, cette proposition. C'est très bien de s'en tenir à la tâche et de dire nous avons la tâche de la grande galerie. Et derrière, il y a une autre tâche qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir une perte de densité. Et là, on en vient à la déclaration de Zaïwas. Alors oui. Ils sont tombés à bras raccourcis sur Zaïwas en disant « Il nie la réalité scientifique. Quelle autorité a-t-il ? Il n'a jamais entendu parler de la muographie. Il ne sait même pas ce que c'est que les muons. » Or, Zaïwas a simplement fait une déclaration prudente. Il a dit « Voilà ce que l'on sait sur la structure de la grande pyramide. Et à partir de là, on va voir comment on peut analyser votre résultat. » Or, dès les années 1830, exactement 1836, 37, 38, un Anglais, un colonel britannique, qui s'appelait le colonel Wise, Howard Wise, obtient l'autorisation de faire une exploration des trois pyramides du plateau de Giza. Et il mobilise un certain nombre d'ouvriers carriers, qui venaient du Mokattam, en les munissant de poudre à canon. Et il était à la recherche d'une chambre secrète, parce que la fascination de la pyramide, c'est trouver le trésor du roi, évidemment, le trésor du pharaon. Donc, il fait percer des trous, des puits, des galeries, un peu partout, dans la grande pyramide, et surtout dans la pyramide de Mykérinos, où il descend avec un puits grandiose, depuis le tiers supérieur
jusqu'au niveau du sol. Quelque chose de fabuleux, extraordinaire, un vandalisme total. Il ne trouve rien, évidemment, dans Mykérinos. Fabuleux. La chambre était tout près, mais juste en dessous. Le fabuleux vandalisme, on peut citer ? Oui, le fabuleux vandalisme. D'ailleurs, fabuleux vandalisme. Parce que le mot fable est présent. Certes. C'est intéressant. Je peux reprendre ? Vous m'avez dit de vous couper, alors je le fais. Ah, c'est exact. On ne me coupe plus à présent. Hein. La pause est terminée. Pardon, excusez-moi, professeur. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi ? Alors, ce Weiss a écrit un carnet. Et quand il fait un forage quelque part, il explique grossièrement, sommairement ce qui est... Cela dit, petite parenthèse, on doit au colonel Weiss la découverte des chambres de décharge, qui sont superfétatoires, mais enfin, on surdimensionne parce que c'était le roi Khéops. Il suffisait d'avoir immédiatement la voûte en bâtière et ça tenait très très bien. La preuve, la chambre de la reine n'a pas bougé du tout. Bon, bref, peu importe. Il découvre donc ces chambres de décharge parce qu'il va creuser vers le haut, à la poudre à canon, un puits vertical et va passer d'une chambre à l'autre. Il va découvrir, c'est lui qui va le découvrir, le cartouche portant le nom de Khéops, Khoufou. Il y a Khnoum Khoufou, il y a deux inscriptions, Khnoum Khoufou et Khoufou. Or, on n'avait jamais trouvé le nom de Khoufou en Égypte. On connaissait le nom de Khoufou qu'au travers du témoignage de Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y avait toujours un doute. Or, lui découvre ce cartouche. Il ne savait pas lire les hiéroglyphes, évidemment. Il fait venir des égyptologues qui sont émerveillés et s'aperçoivent qu'effectivement, c'est bel et bien la pyramide de Khéops. Bon, bref, cette parenthèse est importante parce que Weiss, tout en étant un vandale, a permis une découverte fondamentale. Or, il note que dans tous ces forages, que ce soit en partant du parement, qu'en partant des chambres de décharge, où il a fait des forages, qu'en partant du corridor qui conduit la chambre de la reine, il rencontre, après une assise bien réglée, il dit qu'autour des galeries conduisant aux chambres, il y a une assise en dessous qui est de qualité, et tout de suite après, le matériau est complètement aléatoire. Autrement dit, les Égyptiens n'étaient pas fous, ils n'allaient pas tailler en forme cubique et régulière des millions de pierres. Ils taillaient uniquement aux approches du parement pour recevoir les blocs du parement qui étaient parfaitement dressés et les enveloppes qui entouraient les chambres funéraires et les galeries. Le reste, c'est du matériau jeté en vrac. Pour résumer, si vous voulez, la Grande Pyramide, les pyramides, ce sont des tas de cailloux. J'ai eu le Pardon. Une interruption, oui. Parce que gens ont l'air de dire, puisqu'on découvre un nouvel espace, c'est bien la preuve que ça n'est pas du remblai, qu'il y a bien des poches, donc que c'est maçonné. Et donc que votre énoncé de dire que les pyramides sont des tas de cailloux serait fausse. Donc là, vous maintenez quand même. Objection, votre honneur. Sûrement. Mais très vite, parce qu'on est en retard. Pardon. Alors, il dit que la pyramide, dès qu'on s'écarte des structures organisées, en fait, c'est des matériaux jetés en vrac. Dans les années 80, en 88, Jean Kérizel, dont j'ai eu le cours de mécanique de sol, très grand physicien, grand ingénieur, meilleur spécialiste de sa génération de mécanique des sols, de résistance des matériaux, est chargé d'une étude des structures de la Grande Pyramide. Il va l'étudier, la radiographier, utiliser la microgravimétrie, entre autres choses. Il va explorer les galeries de sondage faites par Weiss. Il prend des photos. Il analyse les fissures des poutres de granit qui ont subi des dommages au moment du tassement de la structure. Il explique très bien pourquoi il y a eu un gauchissement du monument, parce que le massif de remplissage de la Grande Pyramide, et il confirme les observations de Weiss, c'est un énorme tas de cailloux jetés d'une manière aléatoire dans lequel on rencontre une multitude de cavités spontanément créées. Or, il se produit même, comme l'a remarqué Weiss, par moments ce qu'on appelle l'arc naturel. Lorsque vous jetez des pierres en vrac, par moments, elles se recouvrent, elles s'appuient les unes sur les autres, elles produisent l'encorbellement naturel et elles protègent une cavité qui peut être d'assez grande dimension. Or, ça a été vu par Weiss, surtout sur la face nord de la pyramide. Il décrit une fausse chambre qui est un vide de structure qui n'avait aucune fonction, bien entendu, qui résulte que du fait que l'on jetait aléatoirement ces matériaux non disciplinés dans la pyramide. Et donc, grâce à Kérizel, on a confirmation des observations touffues faites par Weiss. Et lorsque Zaïoas dit, il est possible qu'au lieu d'avoir une chambre ou une galerie, les muons aient traversé un secteur de la pyramide où il y ait, pour des raisons aléatoires,
de gros vides interstitiels entre les matériaux, voire même brusquement sous l'effet de la dissolution notamment des joints, parce qu'on bourrait aussi aux plates. J'ai vu moi-même, je suis allé voir le cœur d'un certain nombre de pyramides, donc il y a ces vides, ils existent, les vides de construction existent. La succession des vides interstitiels entre les pierres finit par faire un volume absolument considérable, il faut en tenir compte, ça comprend tout de même des dizaines, des centaines, des milliers de pierres, et ça s'ajoute, il y a presque autant par endroit, de la moitié de vide pour la moitié de plein. Et Zaïrois tient compte de tout cela, lui aussi a vu tout cela, naturellement il en témoigne, et on peut imaginer que par moment il se produit non seulement ces vides qui sont accrus par le fait que lorsqu'il y avait un vide trop prégnant, trop important, les maçons le comblaient avec du plâtre. Or ce plâtre reçoit l'eau de pluie, la pyramide n'est pas étanche, elle a perdu son revêtement, et sur le sommet on l'a décapsulé comme un œuf à la coque. Donc les joints sont ouverts. Et lorsqu'il y a un orage, et les orages, j'en témoigne, en Égypte, sont d'une extrême violence, cette eau, elle pénètre dans la pyramide. Et elle va provoquer et la dissolution du mortier de plâtre et la dissolution des calcaires qui constituent le massif de la pyramide, accroissant encore le volume de ces vides interstitielles. Et on peut parfaitement, on a le droit, ça ne veut pas dire que c'est ça, on a le droit de dire que dans un certain secteur, les muons, puisqu'on n'a pas mesuré sur tout le volume de la pyramide, mais dans un secteur privilégié, la surface couverte par les plaques sensibles est de l'ordre de moins de 4 mètres, donc c'est assez ténu, alors que la pyramide fait quand même 130 mètres de côté, sans plus que ça. Les rayons ont traversé un secteur où il y a eu un grand nombre de vides interstitielles et peut-être aussi même des effondrements intérieurs, des éboulis intérieurs qui provoquent des chambres naturellement créées par l'effondrement interne du massif porteur. Encore une fois, Zaïrois ne dit pas « c'est ça », il dit « voilà une réponse ». Il faut en tenir compte. On ne peut pas d'emblée dire « c'est une chambre secrète, trouvons-lui immédiatement une fonction ». Parce que là, évidemment, le problème devient énorme. Voilà, donc pour l'instant, la découverte en est peut-être une, mais ce n'est pas prouvé. Exactement. Alors, un mot de la fin. Oui. Parce que donc il n'y aura pas de questions. On fera des questions entre nous, mais on rangera parce qu'on est déjà en retard. On ne fait pas l'outrecuidance tout de même de me demander l'heure, par exemple. Voilà. Oui. Oui, oui. Oui. C'est vrai. Oh, c'est exact. On a dépassé. On a dépassé. On s'est grondé. Du coup, juste le titre. Un mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, ça veut dire que il vaut mieux encourager nos collègues à être plus ardents dans une information marginale, ce que j'essaie de faire dans mes cours à la fac, c'est-à-dire que nous avons un programme très strict. Bon, on est chargé de parler des problèmes, par exemple, posés par la construction des structures des temples grecs au 5e siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a une courbe de correction? Alors, on peut parler ça et en même temps, on peut conclure en disant, mais attention, vous savez que circulent des hypothèses sans fondement qui sont manifestement non scientifiques et qui combattent la réalité archéologique. Donc c'est une petite note qui s'ajoute à l'enseignement canonique et reçu à la Sorbonne. Faire part de son expérience personnelle me semble très important lorsqu'on fait un cours. Et je pense que petit à petit, à force d'ajouter de temps en temps une petite conclusion qui dit « prenez garde, vous faites ce que vous voulez, mais de préférence, si vous avez besoin d'informations précises sur tel problème concernant les anciennes civilisations, aller vers ceux dont c'est le métier plutôt que d'aller vers ceux dont ce n'est pas la profession et qui se dissimulent derrière des titres autoproclamés. Enfin, méfiez-vous des faussaires. Méfiez-vous des faussaires. Alors, très vite, je vous donne rendez-vous. On se retrouve dans un mois, le 6 décembre, ce sera au musée Aquarium de Nancy. Et en direct sur YouTube, on parlera de biologie et d'orientation sexuelle. Est-ce que la biologie nous éclaire sur ces choses-là ou pas? Parce qu'on a des débats un peu houleux à ce sujet-là. On remercie les partenaires qui nous aident à faire cette émission, donc la ville de Nancy, l'université de Lorraine qui nous a accueillis dans cette belle salle où on est fort bien accueillis. Et on vous invite également à nous aider parce qu'on n'est pas financé.
On a un Tipeee où vous pouvez donner un petit coup de pouce. On a un Hello Asso, donc vous cherchez pour Aztec, c'est le nom de l'asso qui gère la tronche en biais. Je remercie la régie, on a eu beaucoup de mal aujourd'hui, hein. Merci le chat, merci Bled, merci pour les gens qui étaient en ligne, merci à ceux qui étaient là. Donc il faut venir, les gens qui n'étaient pas venus, mais parce que voilà, il faut venir. Donc le 6 décembre, soyez parmi nous et on vous donnera des nouvelles de notre documentaire. Il est un tout petit peu en retard, mais je vous promets, je l'ai vu, il existe. Et il devrait être très très vite en ligne. Et encore navré pour le retard, mais on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut parce qu'on n'a pas, les ressources pour faire exactement ce qu'on veut aussi vite qu'on voudrait. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne nuit.